Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a évoqué mercredi un risque de dislocation de la CDAO en cas d'arrivée de la monnaie éco en remplacement du franc CFA de la zone UMOA. Une sortie qui expose avant tout les profondes inquiétudes du Nigeria face à une monnaie à vocation sous-régionale qui comporte de nombreux défauts longtemps dénoncés comme facteur d'asservissement par la France de ses anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest. Abuja conçoit mal une monnaie à taux de change fixe avec une garantie d'un État autre que les pays membres de l'organisation ouest-africaine. Malgré le départ des représentants de Paris des instances de la politique monétaire de la nouvelle devise, le statut de garant financier donne à la France le droit de nommer en cas de crise des représentants au sein du Conseil de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour le Nigeria, il n'y a pratiquement aucune différence entre l'éco et de la zone UMOA et le franc CFA actuel, et c'est cette confusion que les pays de la CDAO qui ont aujourd'hui chacun leur propre monnaie veulent tout à fait ne pas y participer, d'autant plus que la monnaie unique des 15 pays d'Afrique de l'Ouest aura un taux de change flexible face à un panier de devises. L'éco devrait en principe commencer à circuler normalement ce 1er juillet selon différentes annonces qui avaient été faites, mais ce n'est pas encore le cas. Nous analyserons en tout cas à travers nos différents invités en multiplex, les raisons évoquées par Buhari et les risques d'une implosion de la CDAO avant de nous pencher sur les véritables motivations de l'insistance de la France. Et si Paris souhaitait surtout une implosion de l'organisation ouest-africaine dont la taille et le niveau d'engagement ont fait d'elle la 20e puissance économique au monde, nous allons également nous interroger avec nos invités. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Et voilà, merci donc de nous retrouver pour l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Nos invités sont nombreux et vont nous retrouver très progressivement sur ce plateau pour débattre d'un thème exceptionnel. L'actualité l'a imposé, le président nigérien Muhammadu Buhari, qui conçoit très mal une entrée en vigueur de l'éco au sein des pays de l'UMOA. Pour lui, cela pourrait simplement provoquer une dislocation de la CDAO, les États de l'UMOA restant de leur côté et le reste eh bien, des États se retrouvant cantonnés autour, pourquoi pas, du Nigeria. Donc on a estimé que la CDAO, de toutes les façons, avait atteint une taille qui aujourd'hui inquiète les puissances internationales, notamment la France, qui voit désormais une organisation sous-régionale devenue 20e puissance économique au monde et avec des taux de croissance, des prévisions de croissance assez importantes. Paris, qui a surtout peur que cette dynamique ouest-africaine, selon différents analystes, ne puisse entraîner les États francophones qui sont regroupés au sein de l'UMOA et que ceux-ci définitivement ne sortent du giron de Paris. Et voilà, Emmanuel Macron qui a voulu, à défaut, qui ici, selon toujours différents analystes, à défaut d'avoir une organisation ouest-africaine contrôlée également par la France à travers cette nouvelle monnaie, pourrait simplement laisser une dislocation avoir lieu dans le sens, bien sûr, de préserver les États de l'UMOA qui resteraient donc ici fidèles à Paris et à cette politique monétaire du CFA qui a été pratiquée pendant de nombreuses décennies et qui a placé ces États, selon toujours différents experts, dans une situation de servitude volontaire. Pour en parler ce soir, nous aurons le professeur François Ndengwe, qui est le chairman de African Advisory Board. Nous aurons également le professeur Demba Moussa Djembele, professeur en sciences économiques, voilà, qui est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage exceptionnel intitulé « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Nous aurons aussi le professeur Nicolas Agbou, qu'on ne présente plus sur les plateaux de la télévision panafricaine, qui est aux avant-postes du combat, qui est devenu le combat monétaire.
en Afrique francophone, à savoir celui de la sortie des différents États du franc CFA et des mécanismes qui sont dénoncés par le professeur Nicolas Agbogou depuis le début. Et rappelez que nous avons aussi le professeur Désiré Mandilou, qui est spécialiste des sciences économiques, auteur également, et qui nous retrouvera aussi sur ce plateau pour en parler ce soir. On va peut-être rapidement tenter avec de rejoindre le professeur Nicolas Agbogou, qui est installé en multiplex, pour comprendre ces inquiétudes de Mouhamadou Bouhari, qui craint qu'une entrée en vigueur de l'ECO au sein de l'UEMOA ne provoque finalement une dislocation de la CEDEAO. Les États de l'UEMOA restant de leur côté avec leur monnaie, leur nouvelle monnaie, à savoir l'ECO, tel que cela a été entérimé en Côte d'Ivoire entre Alassane Ouattara, le président en exercice de l'UEMOA, et le président français Emmanuel Macron. Et pour cause, deux éléments, deux facteurs inquiètent le président nigérien dans cet ECO des États de l'UEMOA. Il s'agit de cette parité fixe qui a été conservée et également d'une garantie française qui est mal perçue et qui pourrait, selon toujours différents experts, être considérée comme étant un moyen d'asservissement de l'ensemble des économies de la CEDEAO par la France. Dans quelques instants, nous allons mettre le cap sur le multiplex avec donc nos différents invités installés sur place. Professeur Nicolas Agbogou, c'était mercredi, le président nigérien Mouhamadou Bouhari a dit qu'il craignait une dislocation de la CEDEAO. Vous, qui traitez de cette question du CFA depuis de nombreuses années sur le continent africain, est-ce que pour vous, cette crainte est fondée? Alors, professeur Nicolas, est-ce que de votre point de vue, la crainte exprimée par le président nigérien Mouhamadou Bouhari a des fondements, vous qui traitez de cette question du CFA et des mécanismes d'asservissement qui s'y trouvent depuis de nombreuses années? Le son n'est pas bon. Ça, c'est pas, 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 c'est pas. Voilà, nous allons donc retrouver nos invités en multiplex, le temps effectivement que tout soit mis en place avec les différentes liaisons. Professeur Nicolas Agbogou, nous vous retrouvons à présent. Rebonsoir. Alors, est-ce que vous comprenez cette colère de Mouhamadou Bouhari et ses craintes surtout autour de cet écho et de son entrée en vigueur annoncée en zone UEMOA? Pensez-vous réellement que cela constitue un risque d'implosion de la CEDEAO? Et bonsoir à tous les Africains qui nous écoutent. La colère du président Bouhari est légitime parce que ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement l'atteinte à la souveraineté des États africains. Lorsque les Africains veulent battre leur propre monnaie qui s'appelle l'ECO, on ne comprend toujours pas pourquoi un pays extérieur, c'est-à-dire un pays non africain comme la France, intervient pour porter en brèche cette création monétaire. Donc, quand Bouhari dit, si effectivement il y a la création de la monnaie dite ECO, UEMOA, alors il menace tout simplement de quitter en un mot, de scinder en plusieurs morceaux la CEDEAO. Et la faute reviendra justement à ceux qui ont préféré créer une monnaie UEMOA qui s'appelle ECO. Rien n'empêche les gens de UEMOA de créer une nouvelle monnaie et lui donner un autre nom, mais pas la monnaie ECO. Parce que les responsables de la CEDEAO n'ont pas donné mandat aux dirigeants
de créer une monnaie éco qui s'appelle une monnaie qui s'appelle éco. C'est tout simplement un sabotage. C'est-à-dire, nous avons toujours affaire à la France. La France sait que quand un pays est indépendant aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, le pays sort sa monnaie, condition sine qua non, pour créer, pour mettre en mouvement l'effort de travail et créer la richesse. Voilà. Donc, les Africains, autrement dit, les pays africains sont en train de se construire. Et un moyen puissant, c'est de battre la monnaie. Pendant plus de 30 ans, la CEDEAO a annoncé la création de sa monnaie. Aujourd'hui, la CEDEAO a fait un petit pas en disant que sa monnaie qui va voir le jour s'appelle Eco. Et curieusement, il y a 8 membres de la CEDEAO qui disent que eux, ils créent une autre monnaie qui s'appelle Eco, lui et moi. Là, il y a de quoi s'insurger. Donc, je pense que ceux qui ont créé ce qu'on pourrait appeler ce désordre-là, le président Bouhari a raison, 1000 fois raison, de les menacer. Parce que c'est une menace sérieuse. Pour dire que si vous continuez de jouer en faveur de l'occupant sempiternel, c'est-à-dire dans le cas d'espèce de la France, eh bien, nous autres, nous n'allons pas nous soumettre à ça. Parce que ce que cherche la France, c'est quoi? C'est tout simplement empêcher la naissance de l'éco, empêcher l'acquisition de la souveraineté monétaire par les pays africains et la CEDEAO. Ce qui veut dire que il faut maintenant faire attention. Si effectivement la CEDEAO arrivait à se scinder en plusieurs morceaux, la France aura réussi son coup. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire au président Bouhari de tenir ferme, parce que c'est quand même le gros morceau de la CEDEAO. Rappelons que le Nigeria fait à lui seul au moins 72% du PIB et 52% de la population. Donc c'est un gros morceau. Et le Nigeria a tous les moyens pour imposer son autorité à des pays déviants. Et j'insiste sur le mot déviant. C'est-à-dire des pays qui ne veulent pas que les Africains sortent de l'ornière économique. C'est de ça nous parlons avec sérieux. Parce que, et je crois qu'on va en parler, l'écho de lui et moi présente n'est rien d'autre que la perpétuation du nazisme monétaire véhiculé par le franc des colonies françaises d'Afrique. Et on veut simplement supprimer le nom, le franc CFA, pour simplement lui donner l'écho. Et ça, il faut que les Africains soient extrêmement vigilants. Nous disons froidement que ça fait longtemps, depuis 1945 jusqu'à ce jour où nous parlons, la France applique aux pays africains qui l'ont aidé à se débarrasser du nazisme. L'Afrique applique donc à ses Africains le nazisme monétaire. Et aujourd'hui, avec tout le combat que nous menons, la France a essayé de gommer les aspects visibles de ce nazisme monétaire qui énerve tout le monde, à savoir la suppression des comptes d'opération, ensuite l'exclusion de la gestion de la BCAO, l'exclusion donc des Français et la suppression même du nom France CFA. Mais comme dit le rapport français, l'essentiel est maintenu. L'essentiel de France CFA est maintenu, à savoir le principe de la fixité des parités entre l'éco et l'euro. Or, la monnaie éco proposée par la CEDEAO
dit, il faut le principe de la fixe et le principe de la flexibilité, des parités. Donc, si vous voulez, on pourra toujours revenir dessus. Mais le projet de loi de la France qui maintient donc le franc CFA sous une autre appellation appelée ECO, U et moi, et nous insistons sur le mot ECO, U et moi, souligne qu'il y a le maintien de la garantie de la France. Et au nom de cette garantie que la France impose aux Africains, alors qu'on n'en a pas besoin, en tout cas, l'ECO de la CEDEAO n'a pas besoin de cette garantie, eh bien, la France dit, à travers le projet de loi de la France, que, au nom de la garantie, eh bien, la France donne le droit de regard sur les économies africaines. C'est-à-dire, la France dit ceci, et il faut lire avec sérieux le projet de loi, dit ceci, lorsque le rapport des avoirs extérieurs et les engagements des Africains, lorsque ce rapport est inférieur à 20%, la France se donne le droit d'intervenir directement au comité des politiques monétaires et ses représentants auront droit de vote. Or, nous disons froidement, si la France a supprimé le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est sa propre monnaie, nous ne voyons pas comment la France peut encore intervenir dans la gestion de la nouvelle monnaie qu'on appelle l'ECO. Et ensuite, la France dit ceci. Il faut que les Africains disent ceci. Les Africains sont sous haute surveillance de la France parce qu'en cas de crise, la France se donne encore le droit d'intervenir. Donc nous disons encore, nous exigeons que la France s'efface définitivement de la gestion de la monnaie des Africains. Parce que voilà des pays, on prend par exemple le cas du Ghana, et le cas de la Côte d'Ivoire. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers. La Grande-Bretagne n'intervient pas, l'Angleterre n'intervient pas dans la gestion de la monnaie Sidi du Ghana. Pourquoi le pays voisin qui est là, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la France depuis 1945 jusqu'à ce jour intervient dans la dite monnaie de la Côte d'Ivoire et des autres pays membres. Donc, les Africains ont maintenant une conscience éveillée sur le problème monétaire. L'argent, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je reviens sur la question qui est posée. Le président Bouhari a le soutien total de tous ceux qui aiment l'Afrique pour faire pression sur ceux qui veulent le sabotage de la monnaie CEDEAO. Parce que c'est de ça. La France, en faisant cela, déjà fait d'une pierre deux coups. Elle empêche la naissance de la monnaie CEDEAO. Deuxièmement, elle maintient d'un autre bras les pays de l'Afrique centrale, membres de la BEAC, elle les maintient dans son giron en utilisant le franc CFA. Pour nous, il est d'une extrême urgence que les Africains se réunissent. C'est pourquoi nous demanderons au président Bouhari tout puissant, en un mot au Nigeria tout puissant, non seulement de faire la monnaie de la CEDEAO, mais d'inviter les autres pays de l'Afrique centrale qui sont membres de la BEAC. Et c'est ensemble, c'est dans cette unité qu'on va jeter les bases consistantes de la monnaie unique africaine dont nous rêvons. Parce que c'est cette monnaie unique africaine qui va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque Centrale Africaine. C'est cette Banque Centrale Africaine qui va coiffer toutes les banques centrales nationales.
lesquelles banques centrales nationales seront vont coiffer toutes les banques commerciales où les Africains auront chacun leur compte bancaire. Et c'est à partir de cette banque centrale africaine qu'une véritable politique monétaire révolutionnaire va être menée et permettre aux Africains de se prendre véritablement en charge et rompre de façon définitive avec la mendicité financière internationale qui avilit les Africains et qui maintient les Africains dans la pauvreté négativement dynamique contre justement tous ces Africains. Et nous irons plus loin. C'est grâce à cette monnaie unique africaine que les Africains auront les moyens puissants pour financer l'industrialisation de l'Afrique, c'est-à-dire la transformation en Afrique noire, en Afrique en un mot, la transformation en Afrique, la transformation de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis, qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et enfin, c'est grâce à cette monnaie unique africaine que les Africains vont financer sérieusement l'Union africaine, vont financer la formation des États-Unis d'Afrique. Et à partir de là, l'Afrique aura d'un côté la puissance politique et de l'autre côté la puissance financière. Et c'est comme ça l'Afrique peut renaître. En un mot, l'Afrique peut briser avec détermination les chaînes de sous-développement et renaître de ses cendres actuelles. Donc, pour conclure, nous soutenons, nous encourageons le président Bouhari à assumer ses responsabilités au plus haut niveau. Surtout, de mon point de vue, ne pas chercher à diviser la CEDEAO. C'est déjà difficile de créer une unité. Mais il faut que le président Bouhari fasse pression sur ceux qui jouent contre les intérêts vitaux de l'Afrique. Maintenir donc la CEDEAO et empêcher ceux qui veulent troubler le sommet des Africains, ceux qui veulent empêcher, qui veulent s'opposer, parce que c'est ça la réalité, s'opposer à la création de la CEDEAO, eh bien, les mettre hors d'état de nuire. J'en ai fini. Avec vous dans ce multiplex pour mieux examiner ces inquiétudes de Muhammadu Buhari du Nigeria. Vous avez dit tout à l'heure que ces inquiétudes sont tout à fait justifiées. Mais il y a deux questions qui arrivent et les deux sont liées. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez terminé de répondre à ces deux questions. Que gagne concrètement la France dans un éco-ouest africain comme elle semble vouloir le promouvoir en ce moment? Et deuxièmement, et si le projet en lui-même visait uniquement à briser la CEDEAO pour mieux isoler les États de l'UEMOA, parce que beaucoup d'experts voient difficilement le Nigeria, première puissance économique, première économie du continent africain aujourd'hui, se laisser phagocyter par la France. Et donc je commence par la première question, professeur Nicolas Agbou, que gagne de votre point de vue concrètement la France dans un éco-ouest africain? La France gagne toujours le contrôle de ses anciennes colonies. Parce que la France a peur de du Nigeria qui ne veut surtout pas se soumettre à lui, non à elle. Donc, en sabotant l'écho, ou du moins en sabotant l'écho de la CEDEAO, eh bien, la France va maintenir sous son giron, les 8 pays membres de l'UEMOA. Et tout simplement, elle va continuer avec le nazisme monétaire, mais sous une autre appellation. C'est-à-dire, le franc CFA est décrié partout à travers le monde. Maintenant, la France a trouvé moyen de prendre le nom ECO. Et elle pouvait bien prendre un autre nom. Mais elle a préféré prendre ce nom écho tout simplement pour saboter, c'est ça son gain, saboter la naissance de l'écho et la CEDEAO. C'est ça
Donc, résumons-nous, la France gagne, et il faut le répéter, gagne en maintenant sous son contrôle les 8 pays membres de la de lui et moi, qui vont utiliser le franc CFA, mais baptisé l'éco-U et moi. Car ceux qui ont créé cette situation disent clairement que l'éco est le deuxième nom du franc CFA. Donc rien ne change fondamentalement. La France va gagner parce que c'est elle qui va imprimer, et il faut le dire, c'est elle qui va continuer à imprimer l'éco, U et moi, où ça? Chez elle, à Chamalières, exactement en lieu et place du franc CFA. La France va gagner parce que elle va maintenir le principe de la fixité des parités avec la monnaie éco, U et moi. Ce gain-là veut dire lorsque les Africains, lorsque les pays, les Européens qui sont par exemple en Afrique francophone, dans la zone U et moi, quand ils vont exporter leurs plantureux bénéfices, leurs capitaux, ils vont les exporter vers la zone et la zone euro, comme par exemple les exporter en France, eh bien, ils seront dispensés des risques de change. Je m'explique. Prenons un exportateur de capitaux. Il va exporter, par exemple, 656 millions de francs CFA. Eh bien, quand il va exporter les 656 millions de francs CFA, eh bien, arrivé en France, on va simplement diviser par 656 000, parce que c'est, là j'arrondis hein, le taux de change, eh bien, il aura 1 million d'euros. Ça, c'est le principe de la parité fixe. Maintenant, si effectivement on remplaçait ce principe par le taux de change flexible, et que demain, pour ce même euro, un euro n'est plus égal à 656, mais c'est égal à 1000 francs CFA, eh bien, les 656 millions de francs CFA exportés divisé par 1000 francs CFA, on aurait 656 000 euros. C'est ce que l'exportateur de capitaux va gagner. Entre 1 million d'euros qu'il gagne dans le principe de la fixité des parités et les 656 000 euros qu'il gagne dans le principe de parité flexible, il y a une perte sèche de 344 000 euros. C'est ce qu'on appelle supporter les risques d'échange, les pertes d'échange. La France ne veut pas de ça. Donc, il faut que ses exportateurs de capitaux soient protégés. Et pour le protéger, on va demander à des Africains de racheter eux-mêmes sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des changes. Il faut racheter les francs CFA surabondants. Demain, il faut racheter les échos surabondants pour qu'on se ramène toujours à un taux d'échange fixe. Voilà pourquoi ils ont maintenu dans l'écho U et moi, ils ont maintenu le principe de la fixité des parités. Donc pour la France, c'est un gain très important. Et les Africains qui vont, parce que pour soutenir le franc CFA aujourd'hui et demain, l'éco, il faut racheter les échos surabondants, mais on rachète les échos surabondants demain, ou bien les francs CFA surabondants aujourd'hui avec des monnaies étrangères, qu'on appelle les devises. Et ce sont ces monnaies étrangères, donc ces devises africaines, qui sont utilisées pour racheter ces monnaies-là. Or, il faut le rappeler, les devises, autrement dit les monnaies étrangères, sont la propriété des Africains qui ont vendu, qui ont souffert et vendu à l'extérieur. Deuxièmement, c'est une partie encore des transferts de fonds de la diaspora vers les pays de la zone U et moi.
c'est encore une partie de ce qu'on appelle des dons, où l'APD, l'aide publique au développement, l'argent reçu à monnaie étrangère, et enfin, surtout, c'est une partie de l'endettement, c'est-à-dire quand les pays africains vont s'endetter en monnaie étrangère, l'argent obtenu, eh bien, ce sont ces parties-là, une grande partie de ces débits, c'est une grande partie qui est utilisée pour soutenir le franc CFA dans le régime d'échange fixe. Et tout ça, ce sont des avantages énormes pour l'Afrique et pour la France et ses ressortissants. Et puis, plus la France domine sur des pays pauvres, mieux c'est pour elle. C'est pourquoi, avec le principe de la fixité des parités, eh bien, les Africains, au lieu de faire la production des biens et services dont ils ont besoin, on les flatte en disant qu'ils ont une monnaie forte. Donc, ils importent des produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, les produits vivriers comme le riz, etc. En un mot, importer, c'est créer à l'extérieur des emplois à son propre détriment. C'est ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses que la France peut gagner. Donc, résumons-nous, la France va gagner avec le principe de la fixité des parités. La France va gagner avec le principe, disons, avec ce privilège que la France aura à produire chez elle, précisément à Chamalières, l'éco UEMOA. Et enfin, la France aura encore ce privilège de convertir, parce qu'elle maintient, elle dit qu'elle donne la garantie de libre convertibilité. Donc, elle aura encore ce privilège de convertir ces devises-là en monnaie locale, aujourd'hui, français pas, et demain, l'éco. Alors, vous comprenez que les avantages sont énormes. Maintenant, nous allons suspendre ces avantages et répondre à la deuxième question que vous allez répéter. Merci à vous, professeur Nicolas Agbou. La question sera répétée tout à l'heure. Le temps pour moi d'élargir un peu le panel et de recevoir toujours dans ce même axe, cette fois-ci, le professeur François Dengue, qui est le chairman de African Advisory Board, qui est également avec nous sur ce plateau. Alors, il est évident que les intérêts sont multiples pour la France, tel que vient de le présenter le professeur Nicolas Agbou. Il y a cette compétitivité des investissements français dans cet espace ouest-africain. Il y a également des gains qui vont être effectués avec la production de cette monnaie future. Mais on en est à se demander si véritablement la France, voyant très bien qu'il sera très difficile de convaincre l'ensemble de ces États, y compris le Nigeria, première puissance de cet espace CDAO, voyant bien qu'il sera difficile, est-ce que finalement le but ici pour Paris n'est pas plutôt de pousser cette CDAO à la rupture et isoler les États de l'UEMOA, parce que beaucoup estiment que la CDAO a pris les dimensions qu'elle a aujourd'hui avec une présence forte dans l'intégration, dans la gestion sécuritaire, bref, elle constitue un bloc géostratégique aujourd'hui assez important qui ne plaît pas beaucoup à Paris, qui a peur à un moment donné que les États de l'UEMOA ne suivent la dynamique des autres États et ne s'affranchissent littéralement de sa domination. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Vous avez posé deux questions importantes. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'il est sous-entendu dans cette opération que la France cherche à convaincre les gens à briser la CDAO. En effet, il faut se demander comment et d'où vient ce pouvoir de la France. Et premièrement, comment la France a même pu convaincre des Africains à créer l'écho de l'UEMOA, que moi j'appelle le Ouakron. Comment la France a pu convaincre d'abord le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, et ensuite les autres sept chefs d'État de l'UEMOA. À ce jour, nous n'avons pas entendu leur opinion. Il faut qu'ils viennent s'expliquer et pour nous dire quels sont les arguments qui ont pesé pour qu'ils acceptent le passage
du Front des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, au Ouakron. Parce que c'est, il y a là, de mon point de vue, et je pèse les mots, une grande opération de trahison. Tous ces chefs d'État, en commençant par le président Ouattara, sont des traîtres. Parce que si vous lisez ce qui se passe, on est abasourdi qu'en 2020, des dirigeants d'État, soi-disant indépendants et souverains, acceptent le traitement que la France leur a infligé pour faire passer le Ouakron. Vous savez que la proposition a été discutée, le projet de loi a été discuté au Conseil des ministres français le 20 mai. Et moi, je suis surpris. Les gens disent que le président Buhari du Nigeria est intervenu, on le félicite. Moi, je trouve qu'il est intervenu très tard. Et c'est même décevant. Pour un pays de la taille et de la puissance du Nigeria, on n'aurait pas dû attendre qu'on en arrive à cela. Le président du Nigeria a les moyens, et même le président du Ghana. On ne pouvait pas attendre que les choses en arrivent là pour dénoncer ce qui, de toute évidence, est une opération d'escroquerie et de division des Africains. Ceux qui ont pris la peine de lire, ne fût-ce que un petit peu, ce projet qui a été discuté et adopté en Conseil des ministres le 20 mai, et cette date est importante, si vous voulez, je reviendrai dessus après, le 20 mai 2020, se rendent compte que c'est vraiment une opération on repeint le Front des colonies françaises en un nom qui, en plus, est un nom qui est volé à la CEDEAO. Parce que la monnaie ECO, c'est la monnaie de la CEDEAO. Et ce qui est étrange, si nous remontons un petit peu en amont, c'est que le 21 décembre, le matin du 21 décembre 2019, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja et ont mis au point ce qu'on pourrait appeler les dernières touches pour la monnaie de la CEDEAO, qui est donc l'écho. Parmi ces points, il y avait le fait que ça ne serait plus lié à la France, il n'y aurait plus rien à voir avec l'euro. Le principe de parité ne serait pas un principe de parité fixe mais flexible. Il serait lié à un panier de monnaie, entre autres. Monsieur Ouattara, le président Ouattara était présent à cette réunion le matin. L'après-midi du même jour, il rencontre à Abidjan Monsieur Macron. Et comme on nous sort du chapeau un projet d'une nouvelle monnaie qui est le contraire de l'écho et qu'on a le toupet d'appeler l'écho. Il aurait pu appeler cette nouvelle monnaie d'un autre nom et on l'aurait même félicité pour les maigres avancées par rapport au franc CFA, notamment le fait qu'il n'y a plus de l'obligation de déposer l'entièreté des devises dans le compte d'opération. Notamment le fait que les Français ne figurent plus au conseil d'administration de la BCAO. Mais pourquoi prendre le nom ECO? Et c'est ça qui revient à votre question. Parce qu'on veut créer de la confusion dans les esprits, et en créant de la confusion dans les esprits, énerver le Nigeria et ainsi diviser les Africains et tuer toute possibilité d'existence de la monnaie de la CEDEAO. Et comme l'a rappelé le professeur Nicolas Abou tout à l'heure, c'est un vieux projet. Nous n'y croyons plus parce que reporté plusieurs fois. Mais enfin, on peut toujours donner le bénéfice des doutes quand les dirigeants africains veulent faire quelque chose. On n'est pas là pour critiquer. Mais enfin, le projet de l'écho de la CEDEAO, ce n'est pas exactement comme ça que moi j'aurais vu un projet de monnaie unique pour les pays de la CEDEAO. Mais enfin, le projet existait. Mais alors, avec le projet du Ouakron, le Ouakron est une opération évidente de dislocation de la monnaie de la CEDEAO. Parce que, tel que c'est parti, il est hors de question. Vous n'imaginez pas, on parle du Nigeria, mais on peut parler du Ghana. Le Ghana n'accepterait jamais que sa monnaie soit gérée
comme les gérer le CFA ou l'euro. Vous savez que ces monnaies relèvent du régime du nazisme monétaire, dont les éléments ont été donnés. Et le régime du nazisme monétaire qui s'applique à tous les pays, soit dit de l'Afrique francophone, la CEDEAO et la BEAC dans la région d'Afrique centrale, c'est le nazisme qui existe, qui est perpétué, qui avait été subi par les Français pour les Allemands et qu'ils ont fait du copier-coller à la fin. Mais il y a un deuxième élément tout aussi important. Et c'est ici que l'on peut noter la nocivité du président de la République française. Le président de la République française, à l'heure où nous sommes, et vous pouvez aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, a un grand projet d'unification de l'Europe. Il a un grand projet de la défense européenne. Il a un grand projet économique pour l'Europe. Autrement dit, le président Macron, et là, il joue très bien son jeu, il travaille à l'unité des Européens. Il travaille à l'unité des Européens, mais en même temps, il travaille à la dislocation, à la désunion des Africains, en utilisant un traître qui s'appelle le président Ouattara. Il faut appeler les choses comme elles sont, et la situation est extrêmement dangereuse. Il faut que les Africains se réveillent, parce que sans ça, ils en auront encore pour un siècle de soumission et de subjugation. Donc, pendant que le président Macron travaille à l'union des Européens, il utilise Ouattara et tous les autres, parce que le président Ouattara n'est pas seul à porter le chapeau ici, je le redis et je pèse mes mots, tous les chefs d'État africains de l'UEMOA qui ont accepté le projet du Ouattara sont des traîtres. Puisque, et c'est même écrit qu'ils sont des nuls, parce que dans le projet de loi du 20 mai adopté par le ministère français, il est écrit noir sur blanc qui valent zéro. C'est écrit zéro là-dedans. Donc, vous acceptez que vous n'avez aucune valeur, votre valeur c'est zéro, et en plus, vous dites que la France sera le garant. Et c'est écrit noir sur blanc, y compris dans le communiqué signé par le ministre Le Maire et tous ses collègues ministres des Affaires de l'Économie et des Finances. Comment en 2020, des pays soi-disant souverains peuvent en prendre un autre et le déclarer garant de leur monnaie? Mais enfin, je crois que la Boétie a écrit un livre sur la soumission volontaire, la servitude volontaire. Les dirigeants de l'UEMOA sont des soumis qui veulent rester dans l'esclavage, qui veulent rester dans le nazisme monétaire, mais ils ne doivent pas entraîner l'ensemble de la population dans cette forfaiture. Vous voyez que chaque fois que les Africains veulent lever la tête, et ça, c'est une constante de la France, c'est un invariant de la France utilise un subterfuge, utilise des Africains pour prolonger leur subjugation. C'est exactement ce que nous assistons avec cette histoire de Ouattara et de CEDEAO, et si l'on encourage, si l'on accepte ce que le président du Nigeria a fait, et disant cela, je l'encourage, mais je dis qu'il a, et pour moi, il agit très tard et pas suffisamment vigoureusement. Il doit agir avec plus de vigueur, mettre les dirigeants de l'UEMOA les appeler à leur responsabilité, et qu'ils se dévoilent tous comme traîtres, et ainsi qu'ils se désolidarisent donc de la CEDEAO, et on aura eu la dislocation de la CEDEAO, qui aura donc été provoqué par M. Macron et M. Ouattara, et ils auront réussi leur coup. Quand nous disons tout ceci, il n'y a aucune invective de notre part. Nous parlons sur la base des faits et des documents qui sont disponibles pour tout le monde. Quand on dit qu'un pays est garant, regardons objectivement. Qu'est-ce que ça veut dire garant? La France garantit quoi? La garantie relève du langage de l'assurance. Qui peut me dire ce que la France garantit pour qu'un groupe de 8 pays qui ont des recherches incroyables que la France n'a pas se disent, entrent sous la table, sous les jupes de la France et disent « Oh, s'il vous plaît, la France, venez nous garantir. » Vous avez un pays, vous avez une population jeune, dynamique, nombreuse,
Vous avez des ressources naturelles, mais vous trouvez le moyen d'aller demander comme garant un pays qui, depuis le milieu des années 70, a un budget, de l'État en déficit constant. Le simple bon sens voudrait que vous ne preniez pas celui-là comme garant. Si vous persistez à prendre celui-là comme garant, c'est qu'il y a d'autres avantages individuels dont vous tirez, que vous recevez, et que la France vous accorde, et naturellement au détriment de l'ensemble de la population. Enfin, pour ce premier passage, au début, n'oubliez pas que le franc des colonies françaises, création du nazisme monétaire du 25 décembre 1945, avait pour but, et ce n'était pas caché, d'exploiter les pays africains. Et en cela, le général de Gaulle, qui l'a créé, qui est dans le père de ce nazisme, était consistant. Mais que 75 ans plus tard, ce nazisme monétaire demeure intact, par exemple en Afrique centrale, parce que là nous parlons de l'Afrique occidentale où les choses ont un peu bougé. Mais en Afrique centrale, rien n'a bougé et rien ne semble bouger à l'horizon. Ce qui est une honte et une insulte pour un pays comme le Cameroun, qui n'a jamais été une colonie française, et par conséquent, le franc CFA n'aurait jamais dû être une seule seconde la monnaie du Cameroun. Le Cameroun n'est pas une colonie française d'Afrique, dont le sigle CFA ne s'applique pas aux Camerounais. Plus grave pour le cas du Cameroun, il y a une partie dite anglophone, qu'on appelait la Southern Cameroons, qui n'ont jamais rien eu avec la France. Pourquoi leur imposer le franc des colonies françaises? Et la guerre qui se passe aujourd'hui au Cameroun est une conséquence indirecte de ce choix monétaire macabre. Si, pour les jeunes, les Camerounais qui se rappellent, les billets de banque dans les années 60 et 70 au Cameroun étaient libellés dans les deux langues, la langue française et la langue anglaise. Figurez-vous que désormais, ils ne sont libérés qu'en une langue. Pour un pays qui se dit bilingue, c'est mettre une partie de sa population en marge. C'est marginaliser cette population. Et ensuite, on va s'étonner que les gens s'énervent et qu'on va les provoquer avec une autre ougie de provocation française qui s'appelle l'OADA. Et certains extrémistes vont prendre les armes et vous allez vous étonner. Mais à la base, il y a des choix politiques complètement fallacieux, complètement anti-patriotiques et en non-conformité avec l'histoire. Parce que, je le répète, je vais terminer là, le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Malheureusement, c'est après l'indépendance que le Cameroun se transforme en colonie et aujourd'hui en un système de néo-esclavage où la France fait ce qu'elle veut. Donc, si les Camerounais sont des hommes, ils devraient se rebeller les premiers en Afrique contre le front des colonies françaises d'Afrique. Les Camerounais devraient être les premiers, et ils l'ont d'ailleurs été, puisque le professeur Joseph Tundjian Pouemi, avec son livre « Monnaie, servitude et liberté », montrait le chemin. Merci. Nous allons continuer, cette fois-ci avec vous, professeur Nicolas Agbou, à creuser les véritables intentions de la France dans cette manœuvre puissante en Afrique de l'Ouest. Est-ce que le but ici est de phagocyter l'ensemble de ces économies ou alors simplement de provoquer une implosion de la CEDEAO? Paris n'a jamais véritablement porté cette CEDEAO dans son cœur. D'ailleurs, l'on se souvient du sommet de l'Organisation Ouest-Africaine de juillet 1993, à Cotonou, au Bénin, où on avait clairement vu un article 2 du traité révisé de la CEDEAO qui portait sur l'intégration sous-régionale comme étant désormais un des axes majeurs de la politique de développement de l'organisation ouest-africaine. On a vu cet article 2 contesté par les États de l'UMOA d'ailleurs. Donc on se souvient que le président Alassane Ouattara était premier ministre de Côte d'Ivoire et représentait le président Houphouët-Boigny lors de ce sommet-là. Et beaucoup disent que c'est autour de lui que la contestation des États de l'UMOA s'est organisée. Et finalement, il y a eu cet article 2 qui n'a pas pu être validé en l'état, ce qui suscita à l'époque la colère d'ailleurs du président nigérian de l'époque, Babangida.
Alors, Nicolas Agbaou, est-ce qu'on va dire que finalement, on est encore avec le président Alassane Ouattara et une énième tentative de la France de provoquer une sorte de ralentissement ou alors de dislocation de cette CEDEAO qui aujourd'hui veut jouer un rôle majeur en Afrique de l'Ouest au plan de l'intégration, de la stabilité et également du développement économique? Je crois qu'il appartient aux Africains d'observer. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous crée toujours des problèmes, c'est à vous de tirer les leçons. La France s'est toujours opposée au véritable développement socio-économique viable de l'Afrique, précisément de l'Afrique francophone, qui est son domaine d'influence. La France n'accepte pas que le Nigeria lui arrache ses colonies. C'est comme ça qu'il perçoit. N'oublions pas ce qu'on appelle la guerre du Biafra. Et le Nigeria se souvient de ça. La guerre du Biafra. Et qui était justement... Parce que, en fait, de façon générale, répétons-le, l'Afrique et la France appliquent aux Africains ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, c'est la France. À envahir le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut une petite poignée d'Africains eux-mêmes qui appuient sur la gâchette. Et ceci dans tous les domaines, y compris donc le domaine politique. Je ne voudrais pas mettre en colère beaucoup d'Africains, notamment des Ivoiriens, mais on sait bien le rôle négatif que la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny, on sait quel rôle le président Houphouët-Boigny a joué dans la guerre du Biafra. On le sait, ça. Aujourd'hui, ce n'est pas un jeu de hasard. La France s'appuie encore sur la même Côte d'Ivoire, tutelle de Ouattara, pour pouvoir justement empêcher l'unification des Africains. Le frère François Ndegwe l'a bien rappelé, le jeune Macron, qui est plus jeune même que le premier fils du président Ouattara, ce jeune Macron, président français, joue très bien à l'unification des pays européens. Et il le sait que rien que par son aura, par la couleur de sa peau, etc., il peut mener dans le sens contraire des intérêts d'Afrique. Il peut mener certains dirigeants africains. Et c'est ce que nous voyons. Il n'est pas de l'intérêt de la France, au-delà de tout ce qui est dit, la France ne veut pas voir les pays africains être des États développés. C'est ça la réalité objective. Donc, nous disons froidement au peuple africain de prendre conscience et de voir que le salut de l'Afrique, le salut des peuples africains se trouve dans les mains des peuples africains. C'est-à-dire, c'est à eux et à eux seuls de faire pression sur leurs dirigeants pour dire que vous ne devez plus accepter n'importe quoi. Vous ne devez plus exceller dans la mendicité financière internationale. Vous ne devez plus exceller dans la soumission aveugle à un petit pays qui s'appelle la France. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour non seulement se développer, mais je dirais pour diriger le monde actuel, demain. Donc, quand on dit la France, eh bien, il y a le président Macron qui disait qu'il y a un sentiment anti-français. Non, il n'y a pas un sentiment anti-français. Nous critiquons, nous dénonçons avec véhémence les comportements de la France envers les peuples noirs d'Afrique. C'est ça. Le salut de l'Afrique n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique. Donc, les dirigeants africains qui regardent, qui
disons, qui ouvrent les veines des pays, de leur pays à l'ennemi sempiternel, eh bien, ces dirigeants-là, eh bien, malheureusement, ils ne se rendaient peut-être pas compte, mais ils s'exposent gratuitement à la critique sévère des populations africaines, surtout de la nouvelle génération. C'est de ça que nous devons parler avec sérieux. Je résume en disant, nous ne sommes pas contre la France. Nous aimerions coopérer de façon positive avec la France. Mais nous rejetons, non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain et toujours, nous rejetons la subordination, la soumission aveugle à la France et à toute autre puissance extérieure. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour vivre dans l'honneur et dans la dignité. Il faut simplement qu'elle se donne ces moyens-là. Ces moyens commencent par la monnaie. Et c'est ce que la France a vu. Voilà pourquoi elle a toujours mis, d'après elle, hors d'état de nuire tous les dirigeants africains qui ont opté pour la souveraineté monétaire. C'est ce que la France a vu. Voilà pourquoi, par exemple, le Libyen, le colonel Kadhafi, qui avait réuni tous les moyens pour créer la monnaie unique africaine, voilà pourquoi, eh bien, ces envahisseurs de l'Afrique se sont mis ensemble et ils ont liquidé le président libyen, le dirigeant libyen, Muammar Kadhafi. Mais même s'ils le font, eh bien, les êtres humains passent. Hein. C'est la loi de la nature. Mais les pays sont éternels. Donc l'Afrique est là et elle restera là. Il s'agit donc tout simplement aux Africains de comprendre le jeu. Le général de Gaulle a très bien dit, un pays n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts à défendre. Donc vous voyez bien, avec le jeu que fait le président Macron, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient, qui est parfaitement conscient et qui lutte pour les intérêts supérieurs de son pays. On n'a rien à lui reprocher, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est aux Africains, et aux Africains seuls, de mettre toutes leurs énergies en mouvement pour lutter pour leurs intérêts supérieurs. C'est ça. Donc, il ne faut pas chercher à dire que bon, la France nous maintenant, c'est son rôle. Dans un match de football, vous ne pouvez pas reprocher à l'adversaire de vous avoir empêché de marquer un but. Son devoir, c'est de vous empêcher. Et vous, votre devoir, c'est d'aller marquer un but chez lui. C'est aussi simple que ça. Nous, on nous a fait comprendre quand on était très jeune que la France viendra nous développer. Erreur monumentale. Et j'aimerais aussi, je profite par là pour faire comprendre aux Africains qu'il faut qu'ils regardent à l'échelle planétaire, à commencer par les États-Unis d'Amérique. Avec ce qui s'est passé avec la mort de, comment il s'appelle, George Floyd, les Africains à l'échelle planétaire sont maltraités parce que l'Afrique qui devait les défendre n'arrive pas. Donc les Africains, où qu'ils se trouvent, ils sont comme des orphelins. Vous touchez à un ressortissant d'un quelconque pays en dehors de l'Afrique noire, vous allez voir que les pays, les responsables de ces pays-là vont réagir. Au niveau de l'Afrique, c'est le silence total. C'est ça. Parce que l'Afrique vit dans la mendicité, une mendicité financière internationale qui n'est pas justifiée. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes là pour dire et redire la même chose, qu'il n'y a pas de fatalité. On demande aux dirigeants africains d'accepter le sens de l'honneur et de la dignité en prenant les mesures politiques, et nous insistons sur le mot politique, adéquates pour sortir le continent de l'ornière économique. Et ces mesures-là, elles sont de trois ordres. Un, battre la monnaie unique africaine. Nous le répétons et nous le répéterons toujours.
cette monnaie unique africaine peut être créée avec une volonté politique. Les critères de convergence dont on parle sont des moyens puissants pour perdre le temps à tout le monde. Pour que les uns et les autres puissent comprendre, nous disons simplement, regardez le cas de l'Amérique, où je dis 50 pays États et 50 États. Mais quand ils commençaient, ils étaient 13 pays. Et ils ont créé par une décision politique, le Congrès américain, par une décision politique, ils ont créé le dollar. Même chose pour le Canada. 10 provinces, pour ne pas dire 10 pays, se sont unis et par une décision politique, ils ont créé le dollar canadien. Ça, c'est le deuxième exemple. Il n'y a pas de critères de convergence. Le troisième exemple, c'est la Suisse. La Suisse, qui avait 860 monnaies différentes pour les 26 cantons, en fait, les 26 pays. Eh bien, le Parlement suisse s'est réuni et par une décision politique a créé le franc suisse. Il n'y a pas de critères de convergence. Le quatrième exemple, c'est le yuan ou bien le renminbi de la Chine. En 1949, la Banque populaire de la Chine a été créée. Et la Chine utilise sa monnaie. La Chine, qui avant la prise de pouvoir par Mao et ses amis, vivait dans la pauvreté, mangeait même de la chair humaine. Eh bien, la Chine, grâce à sa monnaie, a pu mobiliser toutes les forces de travail. Et aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde et demain, la première. C'est la Chine qui finance le monde entier, à commencer par les États-Unis. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. Tout ça, il faut prendre des exemples. Et enfin, le dernier exemple, c'est le franc CFA, créé par le général de Gaulle, qui l'a imposé à toutes les colonies françaises d'Afrique et d'ailleurs, avec un seul décret. Il n'y a pas de critère de convergence. Donc, il faut que les dirigeants africains comprennent que si hier on pouvait nous mentir, aujourd'hui ce n'est plus possible. La France n'a rien à voir. Déjà, il y a un grand pas. La France a supprimé le franc des colonies françaises d'Afrique. Et il faut lutter pour justement supprimer ça. Et à partir de là, nous disons le cordon ombilical monétaire entre la France et les autres pays et les pays africains, ce cordon, elle est radicalement coupé. Donc la France n'a plus rien à voir dans la gestion de la monnaie que les Africains vont créer. C'est de ça nous parlons avec sérieux. Et comme la France sait que sans la France et sans l'Afrique, eh bien, elle n'est pas ce qu'elle est. Donc elle trouve les moyens, toutes sortes de moyens pour pouvoir toujours contrôler l'Afrique. C'est ce contrôle-là que nous rejetons avec sérieux. J'en ai fini. Nicolas Agbeou, et je vous retrouve dans quelques instants pour que nous puissions également mieux développer autour de cette actualité, professeur François Dengue. Alors, on voit désormais qu'il y a à peu près deux scénarios possibles. C'est-à-dire, le premier, c'est que cet écho de l'UEMOA rentre en vigueur uniquement avec les États de l'UEMOA et que la CEDEAO se brise, ce qui serait aussi à l'avantage de Paris. On l'a vu tout à l'heure, qui n'a véritablement jamais aimé la CEDEAO dans sa configuration actuelle. Le deuxième scénario possible, c'est que la CEDEAO accepte finalement cet écho de l'UEMOA comme étant l'écho des pays d'Afrique de l'Ouest. Et dans ce cas-là, Paris a une emprise sur l'ensemble des économies de cette sous-région-là. Est-ce qu'on va dire, professeur, finalement, que Paris gagnera, qu'importe l'issue, finalement? Vous posez là les deux, vous posez très bien la question. Et vous posez très bien la question qui demande que les Africains se lèvent. C'est pourquoi que nous parlons avec une certaine vigueur. Parce que la situation est extrêmement grave. Les deux hypothèses, les deux scénarios dont vous parlez sont possibles. Le premier a déjà commencé et bien en route, puisqu'on nous a annoncé. Je ne sais pas pourquoi vous continuez à appeler cette monnaie l'écho. Et comment appellerez-vous la monnaie de la CEDEAO? À ma connaissance, il n'y a qu'une monnaie qui s'appelle l'écho, c'est la monnaie de la CEDEAO. L'autre monnaie, c'est une création de Macron et de
et de Ouattara. C'est pour ça que son véritable nom, c'est le Ouakon. Et je suis sûr que ça restera dans l'histoire comme ça, comme un grand moment de trahison. Et quand nous disons que c'est un grand moment de trahison, nous ne le disons pas pour des paroles en l'air. Encore une fois, c'est les textes. Il faut aller lire les textes. Je voudrais juste prendre trois exemples rapidement. Le premier, et c'est vraiment caricatural, si vous allez lire le projet de loi adopté le 20 mai en Conseil des ministres français, vous êtes étonné que les Français ne s'en cachent pas. Les Français disent que rien ne change. Rien ne change, on continue exactement la même chose. Le paragraphe 3 de ce texte, qui est intitulé « Objectif de l'accord ou convention », il commence ainsi. Le positionnement de la France, je cite, le positionnement de la France évolue pour devenir celui d'un strict garant financier de la zone. Et il continue, les paramètres fondamentaux de la coopération ne sont toutefois pas modifiés. Mais quand on vous dit que rien ne que c'est pas modifié, ça veut dire que rien d'important ne change. Le paragraphe 4 reprend la même chose et le renforce en disant la réforme, je cite, la réforme maintient inchangé les paramètres essentiels. Qu'est-ce que ça veut, quand on vous dit la réforme maintient inchangé les paramètres essentiels, ça veut bien dire que rien ne change. Donc, nous sommes toujours dans le contexte du franc des colonies françaises, c'est-à-dire du nazisme monétaire. Donc, ce que vous continuez à appeler l'écho, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez l'écho, à ma connaissance, l'écho, encore une fois, ne peut être que la monnaie de la CEDEAO. Appelez ceci comme vous voulez. Moi, je l'appelle le Ouakon parce que c'est plus conforme à la réalité de ses pères fondateurs. Mais ensuite, c'est parce que ça crée une confusion et cette confusion a pour but la division des Africains. C'est une guerre monétaire que Macron a déclenchée contre les Africains en utilisant Ouattara et les pays et les autres présidents de l'UMO parce qu'ils ne doivent pas se cacher derrière le président Ouattara. S'ils avaient des couilles, ils seraient venus expliquer ce qui se passe et justifier pourquoi dans un texte où on dit que rien n'est inchangé, ils embarquent une population importante, une jeunesse importante qui a des moyens et qui se laisse guider par un pays vieillissant, la France, qui n'a pas les ressources que vous avez. Le deuxième élément, pourquoi je dis que c'est vraiment un acte de trahison immense, vraiment qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire monétaire. Je suis allé chercher, je n'ai pas vu d'équivalent de cette trahison. Je n'ai jamais vu un État, et encore plus un groupe d'États, qui se cache, qui demande sous les jupes d'un autre État en disant « S'il vous plaît, prenez-nous, nous sommes le garant ». Si vous lisez le texte de l'accord que les ministres des Finances, M. Le Maire et ses collègues des autres traîtres de l'UMA ont signé à Abidjan, vous verrez que dans cet accord, il y a 28 fois le mot « garant ». 28 fois, pour un texte qui a environ 10 pages. C'est que la France est très psychologique. La France, c'est très maligne. C'est un effet subliminal qui vous montre, la France va se porter. Écoutez, c'est comme le Père Noël. Je suis le Père Noël ou bien la maman qui est là, que le bébé va faire des bêtises, la maman sera là. La France se présente sous les beaux jours comme le Père Noël. Je suis le garant, je vous garantis. Je vous garantis, n'ayez pas peur, je suis là. Vous êtes des enfants qui rampez. Vous rampez encore, vous n'êtes pas des gens qui est des bébés, vous ne savez même pas vous tenir debout, vous rampez, je suis votre garant. Et si vous allez voir le texte, le projet de loi adopté le 20 mai de 2020 par le Conseil des ministres, vous allez le lire, j'ai fait les comptes, si je ne me trompe, je trouve encore 29 fois le mot garant. C'est bizarre. C'est toujours ce mot qui revient. La France est garant. La France ne va jouer qu'un rôle de strict garant. Mais que garantit donc la France, nom de Dieu? Et quand on se pose la question, et la France a le toupet d'écrire qu'elle offre une garantie illimitée et qui est inconditionnelle. Alors, pour ceux qui ont un peu de mémoire, qui connaissent ces histoires, la France, donc, on écrit en langue française, on dit que la garantie est illimitée et elle est inconditionnelle. Je vous assure que dans un devoir de finance, celui qui écrit ça a 0 sur 20. La France est un petit pays limité. Et vous ne pouvez pas être limité et proposer une garantie illimitée. À moins, et c'est peut-être là le message de la France, à dire que vous avez en face de vous des gens qui valent zéro. Si vous divisez une fraction par zéro,
Vous avez un résultat illimité. Elle est indéfinie, mais vous avez quelque chose d'illimité. Donc, c'est tout simplement parce que le message qui est ici, c'est dire, vous êtes des zéros, et donc, par rapport à vous, même si je suis un nombre fini, je suis illimité. Le deuxième adjectif, c'est inconditionnel. Mais enfin, on nous a chanté pendant la période du nazisme monétaire ouvert, qui persiste encore en Afrique centrale, où les gens de l'Afrique centrale sont encore en train de dormir, même si ça bouge un peu, on nous a chanté que quand les pays africains déposaient leurs réserves, c'est ces réserves qui servaient, c'était la contrepartie de la garantie. C'est ce qu'on nous a dit tout le temps. Monsieur Ouattara, qui était un grand défenseur du franc CFA et qui ne lui trouvait aucun mal, et qui appelait même les autres pays à venir suivre, nous disait que c'est parce qu'il y avait les dépôts français, les dépôts africains qui avaient la garantie. Donc c'était la condition de l'exercice de la garantie française. Mais pourquoi maintenant que dans cet Ouakron, et qu'il n'y a plus de dépôt, comment on peut encore nous parler de garantie et ajouter le mot inconditionnel? Donc le mot inconditionnel ne marche pas. Mais il y a plus grave, figurez-vous. Et les Français, vraiment, les Français, comme disait le professeur Abou, on n'a pas à en vouloir aux Français. Ils ont écrit tout dans leur texte. Ils ont écrit tout. Puisqu'ils vont même jusqu'à dire, et écrit noir sur blanc, que cette garantie ne vaut pas une garantie. Le texte que je vais vous lire, et encore une fois, je lis le texte adopté en Conseil des ministres. Le texte dit que la garantie, je cite, comme indiqué précédemment, cette garantie de convertibilité ne révèle pas d'une garantie d'État. La France n'est pas idiote. C'est bien marqué. La France dit bien que ce n'est pas l'État français. Ce n'est pas une garantie de l'État au sens de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001. Je suis allé lire cette loi, mais on tombe à la renverse. Il y a bien des juristes en Côte d'Ivoire. Il y a des juristes au Mali, au Niger. Pourquoi se laisser piétiner comme ça? Où on a une fausse garantie et la France l'écrit. La France ne le cache pas. La France écrit que ce n'est pas une garantie. C'est du n'importe quoi. Puisque avant cette phrase, la France, toujours dans ce même document, dit ceci, je cite, « Du point de vue budgétaire, la garantie de convertibilité de la monnaie de l'UMOA est assurée par le programme budgétaire qui s'appelle « Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine ». Du compte de concours, du compte concours financier appelé Accord monétaire international. Écoutez bien la suite. Ce compte mission, qui concerne également les zones d'Afrique centrale et Comores, est doté de crédits évaluatifs actuellement fixés à zéro. Actuellement fixés à zéro, vous valez zéro. Si vous êtes un assureur et que vous devez garantir, vous savez qu'il y a un risque, vous ne mettez pas zéro. On vous enlèvera votre licence d'assureur. La France est un faux assureur qui ne prend aucun risque, qui trompe les gens, les Africains, avec des mots fictifs. Quand on vous dit qu'il y a zéro dans le compte de garantie, ça veut dire qu'on ne garantit rien du tout, parce qu'on est sûr qu'on ne va pas exercer ce faible risque. Et la France le dit ensuite, puisque le compte évaluatif fixé à zéro, compte tenu du faible risque d'activation de la garantie. Vous voyez que ce sont des éléments de trahison. C'est extrêmement grave ce que M. Macron et M. Ouattara et les présidents de l'UMOA ont fait. Et troisième élément de trahison, on aurait cru que le retrait français serait un retrait effectif. Mais le professeur Nicolas Beau vient de vous le rappeler. Tout est fait en sorte que la France a toute latitude à tout moment pour intervenir. L'Angleterre n'intervient pas quand le Ghana s'assoit pour gérer sa monnaie. L'Angleterre n'intervient pas quand le Kenya traite ses problèmes monétaires. Mais ici, la France réserve le droit d'intervenir. Et les Africains ne peuvent pas s'y opposer. C'est tout de même incroyable qu'on en soit là, qu'on ait des chefs d'État. Pour moi, c'est un acte de trahison. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave
Et il faut que les Africains se réveillent. Et les scénarios que vous proposez, il ne doit avoir qu'un scénario, celui de l'Afrique, celui de la CEDEAO. On ne peut pas avoir de scénario bancal ou de scénario qui divise et qui déclenche une guerre monétaire entre les Africains pendant que Macron va voir Madame Merkel pour arranger et renforcer l'Europe. Pendant que Madame la présidente de l'Union européenne est en train de faire voter un budget de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards qui seront distribués gratuitement, 500 milliards d'euros qui seront distribués gratuitement à l'ensemble des pays européens. Et pour la première fois, les Européens auront une dette budgétaire soutenue par les différents États. C'est un acte de progrès vers l'unité des Européens. Mais pourquoi donc aller diviser les Africains? Et pourquoi les Africains se laissent faire? Et en premier lieu, pourquoi les traîtres qui sont leurs présidents acceptent cela? S'il y a un moindre grain de mensonge dans ce que je dis, je suis prêt à en débattre avec qui est prêt. Et si vous voulez, si j'ai encore quelques temps, je voudrais, parce que il faut, les choses de la monnaie sont à la fois techniques et simples. Et parce que les banquiers centraux africains ne jouent pas leur rôle d'information, ne débattent pas ou se croient au-dessus de tout le monde, parce que justement, ils ne veulent pas effrayer, ils ne veulent pas parler en face de leur patron français, ils ne veulent pas se confronter à leurs frères africains qui ont un point de vue autre que le leur, ils se cachent dans leur grand tour. Mais qu'ils se méfient, je dis bien, et ici je m'adresse à tous les responsables africains des banques centrales, tous les banquiers centraux, du gouverneur aux employés. Vous savez ce qui s'est passé après le nazisme monétaire en France. En France, il y a eu une commission nationale d'épuration qui a particulièrement travaillé contre la Banque de France et a épuré, on a tué des gens. Quand le général de Gaulle est arrivé et qui s'est rendu compte des ravages du nazisme monétaire, M. Yves Bréard de Boissonger, qui était le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque de France à l'époque, de 1940 à 1944, peut vous dire ce qui s'est passé. M. Catala, qui était ministre des Finances sous l'occupation, peut vous dire ce qui s'est passé. Il y a un mouvement d'épuration. Et maintenant que les ouvriers de la BCAO et de la BA et tous ceux qui soutiennent le nazisme monétaire en profitent, au point où j'ai lu un document qui nous disait que les crédits que la BCAO a accordés étaient supérieurs aux crédits de la BCAO accordés à l'économie de ces pays. C'est à vérifier. Mais il appartient à la BCAO de me démentir en montrant les chiffres. Donc, des Africains sont en train de profiter. C'est exactement comme à l'époque de l'esclavage. Beaucoup d'Africains ont participé activement à l'esclavage. Exactement comme beaucoup de banquiers centraux aujourd'hui participent au nazisme monétaire. Ils roulent en 4x4, ils ont de grands salaires, ils ont de grandes retraites, mais qu'ils se rappellent ce qui s'est passé au moment de l'épuration en France. Le général de Foulle a fait fusiller, je dis bien, il a fait fusiller tout ce qui était considéré comme des collaborateurs du nazisme monétaire. Je ne conseille pas cette extrémité, parce qu'en tant qu'Africain, la peine de mort n'est pas de notre culture. La peine de mort ne relève pas du profil civilisationnel africain. C'est quelque chose d'importé par la barbarie européenne et que malheureusement, les dirigeants africains qui sont soumis à l'Europe ont adopté. Ils ne devraient avoir aucune condamnation à mort en Afrique, parce que ça ne relève pas de notre bagage civilisationnel. Mais passons. Je signalais cette histoire de comité national d'épuration pour donner un avertissement aux banquiers centraux africains, à ceux qui travaillent à la BCAO, à la BA. Ils ont des informations. Bien sûr, il faut qu'ils nourrissent leur famille. Je ne leur en veux pas. Mais ils doivent informer la population de ce qui se passe. Nous sommes en juillet 2020. On nous a dit que le Ouakron serait livré en 2020. Depuis une semaine, je regarde le site de la BCAO. Vous tapez le mot écho, vous ne trouvez aucun résultat. Il n'y a aucun effort pour informer la population. Parce qu'on la dédaigne, parce qu'on ne lui accorde aucune importance, parce qu'on est surtout soumis à M. Macron. M. Macron est plus important que toute la population de l'UMO. C'est pour ça que la BCAO ne fait aucun effort pour informer
Vous avez, on nous a apporté le projet de, du Wacom, mais au moins informez-nous de la marche. Si c'est en 2020 qu'il sera lancé, dites-nous quand. Nous sommes déjà au 7e mois. Si vous étiez sérieux, vous savez combien de temps ça a pris pour annoncer l'euro. Toutes les agences d'information de tous les pays européens, tous les jours, tous les débats à la télévision, tous les communiqués des ministères, à l'université, dans la presse, dans les cafés, tout le monde était informé. Nous sommes le 7e mois du lancement d'une monnaie, soi-disant, mais c'est le silence radio, y compris à la BCAO. C'est extrêmement grave. Et ça montre encore que la BCAO est un outil de trahison, un outil qui travaille contre l'intérêt des Africains. Merci. Professeur Nicolas Agbou, je vous retrouve également pour que nous puissions maintenant tenter de comprendre ce qui va se passer. Comment, de votre point de vue, peut-on échapper à l'un des deux scénarios qui ont été présentés dans cette situation de l'écho en Afrique de l'Ouest? C'est à moi que vous posez la question, s'il vous plaît, ou au professeur Agbou? Professeur Nicolas Agbou, je vous retrouve donc à nouveau. Alors, il y a deux projections dans cette configuration de l'écho en Afrique de l'Ouest et les enjeux tout autour. La première, c'est que la France, même si l'écho venait à être maintenu pour l'UMOA, cela pourrait créer une rupture au sein de la CEDEAO, ce qui ne déplairait pas à Paris, on l'a vu sur ce plateau. Deuxième hypothèse, l'écho est finalement adopté par l'ensemble des États de la CEDEAO. C'est encore une victoire pour Paris parce que, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, cela lui permet de retrouver ses intérêts dans cette sous-région-là. Alors, nous, maintenant, en tant qu'Africains, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces deux scénarios présentés et peut-être au moins sortir de là avec une CEDEAO intacte? Bien. Alors, j'ai déjà dit, nous partons avec une certaine générosité de cœur pour dire que ces dirigeants africains, mis en général là où ils sont par la France, ils défendent leurs intérêts. Et que c'est humain. Chacun, dans leur position, pourrait défendre leurs intérêts, devait défendre ses intérêts. Donc, nous comprenons cela. Comment voulez-vous que quelqu'un, un gouverneur de la BCAO qui gagne près de 30 000 euros, au moins 30 000 euros par mois, comment voulez-vous qu'il arrive à scier la branche sur laquelle il est assis? N'importe qui serait amené à défendre sa position. Donc ça, nous comprenons cela. Mais ce que nous voulons dire, pour répondre à votre question, il appartient aujourd'hui aux Africains, et plus particulièrement à la jeunesse africaine, de s'emparer de cette question-là. Parce que quand vous allez dans ces pays de la zone France CFA, aujourd'hui et demain, écho, il y a une expression qui revient constamment. Il me manque les moyens. Je voudrais entreprendre, je voudrais faire telle chose, mais il me manque les moyens. Quand on dit il me manque les moyens, c'est qu'il me manque de l'argent. Et pourquoi il manque de l'argent? Parce que la politique monétaire qui est appliquée dans ces pays-là, elle est dictée de l'extérieur, par l'ennemi sempiternel. C'est ça. Donc, c'est à la jeunesse, dans sa lutte, de comprendre que le problème monétaire doit être au cœur de leurs revendications. Et c'est sous la pression, comme l'a reconnu d'ailleurs le président Macron, que c'est sous la pression de la jeunesse africaine que les choses vont changer. C'est sous la pression de la jeunesse africaine, sous la revendication de la jeunesse africaine, qu'aucun de ces deux scénarios que vous proposez ne pourra se réaliser. C'est-à-dire, la France, bien sûr, son souhait, c'est de mettre sous sa direction le Grand Nigeria à travers l'écho. Mais ensuite, son souhait aussi, c'est de mettre sous sa direction les 8 pays de lui et moi, etc. Mais je dis et je le répète, le combat,
doit être menée avec détermination par la jeunesse africaine. C'est sous la pression de la rue que cet écho de lui et moi ne doit pas voir le jour. Et c'est sous la pression de la jeunesse africaine bien organisée que la souveraineté monétaire de l'Afrique doit être acquise. Il n'y a rien sans rien. Seuls les combattants peuvent libérer l'Afrique. Et nous insistons. Le nerf, l'argent est le nerf de la guerre. Le mot argent ici, là, c'est l'argent qu'on utilise dans le pays. Ne compliquons pas les choses. Donc la France essaie par des pas bien calculés et ça, d'avoir sa proie. C'est aux Africains et aux Africains seuls de dire ce que la France est en train de faire. C'est contre nous. Nous avons déjà suffisamment fait des conférences. Nous avons même mis sur la place publique un livre, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, pour dénoncer le nazisme monétaire dont la France a été victime. Et c'est ce nazisme monétaire que la France veut encore perpétuer, mais sous une autre appellation appelée écho. C'est ça. Donc, pour me résumer et répondre de façon très simple à votre question, c'est la population africaine qui doit s'organiser, qui doit s'approprier la question monétaire pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi sempiternel, c'est-à-dire empêcher la réalisation de l'un de ces deux scénarios, c'est-à-dire ni la monnaie CDR, ni l'écho U et moi, ni l'écho de la CDAO sous la direction de la France, parce que ça a été toujours le rêve de l'Afrique et de la France. À travers l'un de ses dirigeants, la France disait, mais il faut que toute la CDAO utilise le franc CFA et puis c'est fini. Vous voyez bien. Oh, c'est bien connu. Lorsque vous financez quelqu'un, vous le dominez. C'est très simple. La preuve, c'est que depuis 1945 jusqu'à ce jour, la France, un petit pays, domine ces différents pays-là qui utilisent sa monnaie coloniale, sa monnaie obsidionale, exactement comme faisaient les Allemands. C'est du nazisme monétaire. Donc, j'ai fini en disant simplement que aucun de ces deux scénarios n'est souhaitable. N'est souhaitable. Et on peut l'éviter parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, je suis convaincu que les jeunes Africains, en tout cas la jeunesse africaine, va s'approprier, va faire sienne cette question, car les mesures vont s'appliquer sur leur avenir. Donc, vont mener ce combat avec détermination. Dans un combat de libération nationale, chacun apporte ce qu'il peut apporter. Il y a ceux qui se courbent et qui passent le temps à écrire. Il y en a qui savent organiser, qui savent ameuter la population, et etc. Tout le monde est appelé au combat de libération nationale parce que c'est maintenant que tout se joue. Voilà. Merci à vous, professeur Nicolas Agbou. Merci à vous. Merci à vous pour cette contribution au débat ce soir autour de cet écho d'Afrique de l'Ouest. On va dans quelques instants donner la parole aux téléspectateurs de la télévision panafricaine pour qu'ils puissent nous retrouver, peut-être pour poser quelques questions également à nos deux invités installés en multiplex qui nous présente donc différentes analyses et permettent une compréhension de cette colère de Mamadou Bouhari contre cet écho qui est promu par la Côte d'Ivoire et la France. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, c'est en Côte d'Ivoire que cet accord monétaire entre les États de l'UEMOA et bien sûr la France a été signé. Et un accord que dénonce donc aujourd'hui Mamadou Bouhari qui voit là
un risque d'implosion de la CEDEAO. Nous en parlons avec vous à présent. Bonsoir et bienvenue. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Bonsoir, Guy Fondom. Vous pouvez poser également des questions au professeur Nicolas Agbaou ou encore au professeur François Ndengwe, qui est également, qui sont connectés. Et bien sûr, vous pouvez leur poser des questions. Merci. Bonsoir. C'est Pasteur Soa, depuis le Ghana. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, vous me recevez. Donc, ma question ce soir, je vais poser au professeur Nicolas Agbaou. Professeur Nicolas Agbaou, de vous bénir ça, et le deuxième professeur, que le Seigneur aussi vous bénisse, homme politique, homme économique. Ma question, la colère de Buhari, c'est vrai, c'est pas bien, et nous constatons évidemment que c'est une foutaise. Maintenant, Nicolas Agbaou, en tant qu'un économiste, un expert, comment la situation peut être? Parce que nous constatons déjà que la chose a été biaisée. Mais est-ce qu'il y a encore possibilité enfin de pouvoir récupérer l'écho pour que ces pays dignes qui veulent réellement que l'Afrique ait réellement sa souveraineté monétaire, est-ce qu'il y a encore une possibilité? Ou est-ce que Ouattara, avec ce qu'il a fait à Macron, ou c'est déjà Bouka à nouveau, ou bien il va faire la tête de sorte que ce qu'ils ont fait puisse sortir? Et maintenant, si ça sortait, est-ce que cet argent ou bien cet écho aura de la valeur? Voici ma préoccupation, c'est Pasteur Soa depuis le Ghana. Merci. Pasteur Soa depuis le Ghana, vous vous demandez s'il est possible de faire marche arrière et de retourner à la situation précédente sans tout, et éviter donc les deux scénarios qui ont été dressés sur le plateau dans cette émission. La question est prise en compte. On va prendre cet autre appelant. Bonsoir et bienvenue. À l'antenne. Bonsoir. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir à toi, mon très cher frère Guy Fondom. Bonsoir et merci d'être là pour nous. Merci vraiment. Merci et bonsoir à tous tes panélistes de ce soir, bien sûr. Bonsoir à tous les standardistes et techniciens, ces braves hommes et femmes. Merci vraiment pour vos efforts. Alors, mon cher frère Guy Fondom, je vais déjà commencer par féliciter tes deux panélistes. Une émission vraiment de haute qualité. Ça veut dire forcément, on ne pourra que venir avec des questions précises et pas des questions prises dans le désordre. Donc, je vais saluer le professeur Agbaou, de qui j'ai beaucoup appris à travers son livre. Et alors, je salue aussi le professeur de l'autre côté, j'ai simplement oublié son nom. Et je vais dire à ce professeur particulièrement, il est nouveau sur la plateforme Afrique Média, il n'aura pas beaucoup de questions venant de la part d'un certain type de testateur, parce qu'effectivement, lui, c'est quelqu'un qui analyse très froid et touche aussi particulièrement le Cameroun. Et vous verrez qu'il n'y aura pas trop de questions à votre endroit. Alors, concernant effectivement la situation, il est très grave. Il est très grave de constater qu'aujourd'hui, mon cher frère Guy Fondom, j'ai écouté le professeur Agbaou, je l'ai lu, et j'ai lu Tudjan Pouemi, son livre est accessible à tout le monde. Mais vous verrez que, quelle que soit la mathématique que vous faites tout autour dans la prédation internationale actuelle et ses mécanismes, l'une des seules possibilités, j'ai dit l'une des seules et celle la plus efficace, peut-être elle ne sera pas efficiente, mais elle sera efficace, ce serait la mobilisation populaire dans les rues. Dans les rues, premièrement, pour mettre à mal tous les intérêts français et prédateurs sur notre territoire en Afrique, et de deux, pour mettre à mal les bras armés. Il faut le dire,
de la France et de cette prédation au sommet de nos États, c'est-à-dire nos chefs d'État. C'est très important. Tant qu'on ne passera pas par là, je vous assure, nous n'avancerons pas. Parce que quelle que soit c'est-à-dire l'équation que vous voulez résoudre là, nous, l'Afrique aujourd'hui, on n'a pas d'armes atomiques, on n'a pas de bombes, on n'a pas de laboratoire biochimique où on va développer les coronavirus, on ne l'a pas encore. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de former une jeunesse. Et même si on n'a pas atteint la masse critique véritable, il faut sortir dans les rues. C'est ce rapport de force qui est le seul élément qu'on a aujourd'hui pour faire entendre raison à ceux-là à qui on a donné notre souveraineté. Comme ça, les choses pourront éventuellement bouger. Et il faut préparer ce rapport de force. Ça doit être stratégique et pensé. Ça ne doit pas être d'un coup de tête. Et c'est pour cela qu'il faut absolument multiplier les think tanks de réflexion. Et c'est pour cela que je vais dans ce brouillard, mon cher frère Guifo, un brouillard opaque en Afrique francophone particulièrement. C'est pour ça que je ne pourrais que féliciter les initiatives et des mouvements, parce que la nature est ainsi. Elle a horreur du vide. C'est un adage que j'aime toujours imposer ici, du moins dire ici. Parce que voyez-vous, je salue les mouvements comme la brigade anti-Sadina. Parce que dans l'opacité actuelle, on cherche des solutions, on ne voit pas. Mais une brigade comme celle-là a permis pour une période d'empêcher les flux financiers pour des vacances. Merci à vous, Patrice Kouangeng, pour votre intervention. Et rassurez, nous avons été coupés, mais rassurez-vous, le fonds a bel et bien été saisi. Et pour vous, il faudrait notamment qu'il y ait des mobilisations dans les rues pour venir à bout, bien entendu, de cette configuration qui pourrait conduire à une véritable catastrophe pour la CEDEAO. On va poursuivre avec d'autres appelants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, l'Afrique Média. Bonsoir à tous les invités. Bon. Avant tout, j'aimerais que les invités n'ont qu'à essayer de nous expliquer qui sont les pays réellement qui soutiennent Alassane Ouattara. Parce que nous, la génération de... ou la jeunesse l'Afrique, on aimerait savoir, donc peut-être parmi nous, on peut avoir des idées, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays-là. Si par exemple, c'est une question de boycotter les produits français, et pour nous, le diaspora ici, c'est très facile, parce que Air France, on sait très bien que Air France, il sert dans tous les pays de l'Afrique, qu'ils soient anglophones ou francophones. On peut essayer, par exemple, de boycotter Air France pour dire aux Français que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils font en Afrique. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est un combat qui sera très, très difficile. C'est un combat que nous, les Africains, on doit résister. Parce que la Côte d'Ivoire, par exemple, on sait que Ouattara, il est au service des Français. Pourquoi? Il sait très bien, s'il n'accepte pas la France, il va avoir des problèmes. Mais ce n'est pas lui seulement. Macky Sall, c'est la même chose au Sénégal. Le Niger, la même chose. Mali avait refusé avant, mais comme il y a le chaos actuellement au Mali, il était obligé d'accepter. Même la population de l'armée française au Mali, avant, il avait refusé, mais finalement, il a accepté. Donc, il est temps pour nous, les Africains, de passer aux actes. On doit passer aux actes. Parce que, comme le Premier ministre italien a dit en 2019, malheureusement, nous avons aussi perdu le signal de ce téléspectateur. Voilà, on va peut-être poursuivre avec un autre avant de revenir
et de prendre une fois de plus nos invités en multiplex afin que ceux-ci puissent apporter des éléments de réponse, bien sûr, aux différentes questions qui ont été posées et voilà, et bien notées sur ce plateau. On va poursuivre peut-être avec un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Malheureusement, nous avons aussi quelques difficultés à vous recevoir. Voilà. Et donc, on est obligé de quitter le standard maintenant pour plutôt repartir en multiplex. Un appelant peut-être de Paris. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, s'il vous plaît. Vous écoutons. Merci pour l'occasion que vous me donnez donc, pour intervenir à l'antenne d'Afrique Média. Tout d'abord, j'aimerais remercier Afrique Média pour tout le travail qui se fait. Et j'aimerais aussi remercier les panélistes qui sont là pour nous éclairer sur cette histoire de France CFA. Donc, je suis passionné aussi par cette question. Et donc, je félicite le professeur Abou et puis l'autre panéliste aussi, et qui m'excusera d'avoir oublié son nom, mais entièrement, j'ai lu le bouquin du professeur Abou qui m'a beaucoup éclairé. Je ne suis pas économiste, hein, pas du tout. Mais je suis d'accord aussi par rapport à certains points qui ont été évoqués. D'abord, le premier point concernant ce que le professeur Abou a dit, concernant ce que le président Macron fait pour la France. Je pense que nous les Africains, doivent se rendre à l'évidence aussi que c'est normal ce qu'il fait. Et donc, c'est à nous de nous battre pour pouvoir sortir de cette situation. Comme le disait le feu Thomas Sankara, l'esclave qui n'a pas et l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Et bon, excusez-moi, j'ai oublié la phrase de Thomas Sankara. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce sont les Africains. C'est à nous de mettre la pression sur nos dirigeants. Comme le professeur l'a dit, la jeunesse africaine doit prendre à bras le corps ce problème. On doit mettre non seulement la pression sur les dirigeants, mais les parlementaires africains. Ils ont une responsabilité, ils doivent les assumer. Et je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Certes, on n'a pas assez de moyens, mais heureusement, il y a Afrique Média, il y a beaucoup de médias. Et il faut qu'il y ait beaucoup de débats, beaucoup de bruit. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas que les Africains, que nous les Africains, nous laissons passer ce projet machiavélique. Merci. Merci également à vous pour votre intervention. Prochain intervenant et peut-être des questions à nos invités installés en multiplex. Nous avons le professeur Nicolas Agbewu qui est installé, tout comme le professeur Ndengwe qui est également là. Vous pouvez donc leur poser des questions et obtenir des réponses lors de leurs prochaines interventions sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fadop. Vraiment, je vous remercie. Nous sommes là, nous suivons avec beaucoup d'attention. C'est coup magistraux que ces deux géants de l'économie nous donnent ce soir. Mais je voudrais dire que nous, Africains, nous avons besoin de ce genre de message pour pouvoir vraiment dépasser certainement nos limites. Parce que l'économie est un élément essentiel dans le développement de nos pays. C'est pourquoi je voudrais demander à ces deux géants qu'ils soient présents à l'antenne une fois par semaine pour continuer à nous expliquer. Parce que beaucoup ne comprennent pas que c'est l'économie même qui est à la base de tout. Voilà. Donc vraiment, je vous remercie. Je voudrais saluer Mme Cissé, Mme Yao, tous nos amis, pour dire que vraiment c'est une très grande mission. Maintenant, la question que je vais poser est la suivante. La question que je voudrais poser est que est-ce que il ne peut pas avoir un grand sommet de la CEDEAO pour pouvoir revoir ce qu'il faut faire? Parce qu'il peut y avoir erreur en voulant créer un écho parallèle. Mais est-ce que tous les chefs d'État ne peuvent pas se réunir en ce moment pour pouvoir voir quelle attitude adopter par rapport à cette économie-là? Est-ce que ce n'est pas possible en ce moment? Moi, voici ma question. Merci beaucoup.
Et votre question a bel et bien été notée. Nous poursuivons avec d'autres intervenants à l'antenne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allez-y, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Bonsoir. Ici, c'est Rafik Media. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, messieurs, allez-y, s'il vous plaît. Allô? Allô? Nous vous écoutons, allez-y. C'est certainement votre première fois. Vous êtes pourtant connecté. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. Ainsi se termine donc cette séance, cette session consacrée aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On va repartir en multiplex. D'abord avec vous, professeur Ndengwe. Alors, les questions, vous les avez suivies. Je vais vous les distribuer, bien entendu, avec le professeur Agbou pour apporter des éléments de réponse. La première question était celle du pasteur Soa, qui nous a retrouvés depuis le Ghana et qui se demandait s'il n'existe pas une possibilité d'annuler tout ce qui se passe en ce moment avec cet écho, de préserver cette CEDEAO qui risque soit une implosion, soit une domination économique finalement de la France et de l'Union européenne. Allez, ouvrez votre micro, professeur, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je crois que le pasteur a très bien réfléchi. Et ça tombe dans le bon, c'est le bon sens ce qu'il vient de dire, parce que vous avez présenté des scénarios dans votre rôle de journaliste que vous jouez, que vous accomplissez très très bien. Et je profite encore pour dire vraiment le travail d'Afrique Média, de donner la parole surtout aux spectateurs, aux téléspectateurs, parce que c'est ça qui est important. Nous sommes là pour eux, pour les informer et faire le travail que vous faites. Vraiment, c'est louable. Donc ce pasteur a raison, parce qu'il est hors de question qu'on laisse le Ouakron avancer, qu'on laisse le Ouakron diviser les Africains comme un missile que M. Macron, avec son ami Ouattara, lance contre les Africains, pendant que lui, Macron, va construire l'Europe avec Mme Merkel. À ce moment-là, il n'appelle pas Ouattara. Ouattara n'aura pas sa place. Macron vient semer le désordre en Afrique. Pendant ce temps, il va construire l'Europe. Je vous ai dit qu'avec Mme Merkel, ils sont en train d'arranger un plan de 500 milliards d'euros pour distribuer gratuitement aux Européens. Et qu'au Parlement européen, Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne, est en train de lancer un emprunt européen de 750 milliards d'euros. Donc, les Européens sont en train de se construire. À ce moment-là, vous ne voyez pas M. Ouattara parmi. Quand les Européens s'asseyent pour arranger leurs affaires, il n'y a pas Monsieur Ouattara. Macron, il a beau être ami de Ouattara, s'il amène Ouattara, on va lui dire, monsieur, rentrez chez vous, vous n'avez rien à foutre ici. Par contre, Monsieur Ouattara, dans son rôle de traître, amène Monsieur Macron pour détruire les Africains. Et alors, des Africains qui ont l'œil, qui ont encore l'intelligence et un peu de dignité comme ce pasteur, se lèvent et disent qu'il faut tout arrêter pour recommencer. Comme l'autre collègue, votre téléspectateur qui a posé lui aussi la bonne question et qui a demandé, ne faut-il pas un grand sommet de la CEDEAO, si j'ai bien compris sa question, pour annuler tout ça? Mais bien sûr qu'il faut annuler tout ça et que le Ouakron ne doit jamais voir le jour. Les questions monétaires peuvent être techniques, mais les questions monétaires relèvent vraiment du bon sens. Ce qui est dommage dans notre continent, c'est que ceux qui ont la responsabilité n'acceptent pas le débat. Et ils n'acceptent pas le débat parce qu'ils se croient très forts. Bien, on a vu les résultats. S'ils étaient très forts, notre continent ne serait pas là où il est. Que ce soit les gouverneurs de la BCA ou les gouverneurs de la BEAC, ils nous regardent de haut.
Alors qu'aller en Angleterre, aller même Madame Lagarde à la BCAO, et encore plus aux États-Unis, le gouverneur de la Banque centrale, il vient s'expliquer deux fois par mois devant le Parlement. Combien de fois un gouverneur de la BCAO s'est-il déjà déplacé pour aller expliquer sa politique devant des parlementaires? Et pendant qu'on parle des parlementaires, il faut dire à tous les parlementaires de la CEDEAO, je dis bien à tous, que ce sont eux aussi des traîtres et qui ne peuvent pas se défiler. Parce que si vous allez voir les constitutions de tous ces États, et là, donnez-moi deux minutes que j'explique les choses aux gens ordinaires, parce qu'il ne suffit pas d'être parlementaire et de toucher de l'argent, porter des fanions et aller pavaner au quartier. Je suis allé regarder les constitutions de chacun de ces États. Et vous allez voir premièrement que c'est des constitutions qui sont calquées sur la constitution de la Ve République française, pour ce qui concerne la monnaie. Et parfois, c'est du mot à mot. C'est effrayant de voir qu'à ce niveau, les dirigeants africains et les soi-disant constitutionnalistes africains se sont couchés par terre et ont été incapables, y compris intellectuellement. Je lis le titre 5 de la Constitution de la République française, dont le titre 5 de cette Constitution, qui est intitulé « Des rapports entre le Parlement et le gouvernement ». L'article 34 de cette Constitution dit ceci. La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant et puis vient un certain nombre d'énoncés des objets sur lesquels que la loi fixe les règles. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui s'appelle, je cite entre guillemets, dont j'ouvre la parenthèse, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et ensuite le régime d'émission de la monnaie. Allons voir la constitution de la Côte d'Ivoire. La constitution de la Côte d'Ivoire, écoutez bien le titre 5, qui est exactement presque la copie du titre français, c'est « Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». À l'article 101, on lit ceci, « La loi fixe les règles concernant le régime d'émission de la monnaie ». Vous voyez que c'est exactement du copier-coller par rapport à ce que la Constitution française a dit. Allons voir le Mali. Le titre 6 de la Constitution du Mali est intitulé « Des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ». Et l'article 70 de cette constitution dit ceci, la loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité, blablabla, et ensuite la loi fixe les règles concernant, et on cite comme dans le cas français, le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, etc. Allons voir le cas du Cameroun, qui est un pays francophone, bilingue soit dit-on, donc qui ne devrait pas être soumis à l'influence de la France comme il est soumis. Et les constitutionnalistes français qui se targuent d'être des spécialistes du droit, mais qui ont ici tout faux, qui ont fait du copier-coller eux aussi. Et alors, et c'est un élément qui peut provoquer la guerre, parce qu'ils ont confondu un État bilingue qui ont soumis à un État francophone. Le Cameroun, il faut le répéter encore une fois, n'a jamais été une colonie de la France, ni de l'Angleterre, ni d'ailleurs de qui que ce soit. Malheureusement, c'est après l'indépendance que l'influence de la France néfaste s'est accentuée, y compris dans la copie de la Constitution. Le titre 4 de la Constitution française, intitulé exactement comme le titre de français dont je vous ai parlé, c'est le titre intitulé sont dans des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et l'article 26 dit ceci, exactement encore une fois comme dans la Constitution française, exactement comme les copies du Mali, je pourrais vous citer tous ces pays, dans l'article 26 de la Constitution du Cameroun dit « La loi est votée par le Parlement et puis, sont du domaine de la loi, on énonce, et au paragraphe D, on voit les questions financières, patrimoniales, et puis le régime d'émission de la monnaie. » Pourquoi je vous rappelle ça? Pour deux choses. Premièrement, pour dire l'idiotie des constitutionnalistes africains qui ont fait du copier-coller, et ils ne peuvent pas se cacher. S'ils étaient dans une salle de classe, ils auraient eu 0 sur 20 parce que c'est des copieurs, parce qu'ils n'ont pas de jugeote, ou alors c'est leurs maîtres français qui ont écrit et ils n'ont eu qu'à accepter. Mais la deuxième chose est encore plus grave. Dit comme c'est formulé dans la Constitution française, ça veut dire que le Parlement français a un regard sur la monnaie française.
et c'est vrai, vous ne pouvez rien faire sur la monnaie française sans que le Parlement français ait son mot à dire. Vous ne pouvez pas manipuler la monnaie française, si c'était même hier le franc français, aujourd'hui l'euro, sans que les députés, les parlementaires français aient leur mot à dire. En cela, ils sont responsables, ils agissent en députés responsables devant la constitution qui leur est donnée. Mais regardons l'Afrique. Regardons l'Afrique soi-disant francophone. Regardons le Cameroun. Regardons la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, avez-vous déjà entendu parler d'un seul débat monétaire dans ces parlements depuis les indépendances, ça fait 60 ans? Avez-vous entendu même dans les programmes des partis politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, une discussion sur les questions de monnaie? Tout ceci signifie que le franc CFA, non seulement c'est du nazisme monétaire, c'est une monnaie qui est anticonstitutionnelle. C'est une monnaie qui est anticonstitutionnelle parce qu'elle viole chaque jour la constitution de ces pays. Et M. Macron et M. Ouattara, avec leur Wacron, en ont encore fourni un exemple. Et ça ne s'est pas passé à Paris, ça s'est passé à Abidjan. C'est-à-dire qu'on peut venir en plein Abidjan avec le président de la République de Côte d'Ivoire et violer la constitution de Côte d'Ivoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on vient et qu'on modifie et qu'on sur les régimes d'émission monétaire et on apporte les modifications que l'accord du 21 décembre 2019 de Le Maire et ses amis, ses copains traîtres, les ministres africains fait, et que le Parlement de Côte d'Ivoire n'a rien à dire et que ça viole la constitution ivoirienne, c'est que le Ouakron, comme le franc CFA, c'est de la violation de la constitution. Ce sont des monnaies qui sont non seulement du nazisme monétaire, mais ce sont des monnaies qui violent chaque jour la constitution de ces pays. Donc, je viens de vous parler, on a vu que le franc CFA, c'est le nazisme monétaire, et c'est établi. Et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent venir, on va en discuter, on va leur donner toutes les preuves, on va leur citer les auteurs français qui en parlent, parce que même l'université française, qui est complice de tout ce jeu, n'en parle pas. Le fonds monétaire, où les Français dominent souvent, n'en parle pas. La Banque mondiale n'en parle pas, les responsables de la Banque mondiale n'en parlent pas. Ils peuvent laisser les Africains continuer à être victimes du nazisme monétaire. Personne ne s'en préoccupe, alors que le nazisme monétaire a été condamné au procès de Nuremberg en février, je crois, 1946. La France a porté plainte contre l'Allemagne pour nazisme monétaire. Et celui qui dirigeait la plainte française s'appelait M. Edgar Faure. Le même Edgar Faure, les Camerounais doivent s'en rappeler, il était président du Conseil, c'est lui qui a pris le décret qui a mis hors la loi l'UPC en 1955. Donc on peut mettre l'UPC en 1955, mais en même temps, on peut créer le nazisme monétaire et ensuite on peut aller attaquer le nazisme monétaire. Et là, nous disons oui, la France avait raison. Ayant été victime du nazisme monétaire, la France a attaqué l'Allemagne au tribunal de Nuremberg, et la France a obtenu gain de cause. En réponse, l'Allemagne a payé. C'est ce que nous demandons aussi. Nous demandons un tribunal de Nuremberg contre le nazisme monétaire français. Parce que, comme l'Allemagne a payé, la France doit payer. La France ne peut pas se retirer tout de suite comme ça, comme M. Ouattara est en train de vouloir faire pour elle. C'est pour ça que nous parlons d'audit. Nous faisons l'audit parce que la France doit payer, parce que quand on a pratiqué le nazisme monétaire, on paye. L'Allemagne n'a pratiqué le nazisme monétaire sur la France que pendant 4 années. La France pratique le nazisme monétaire sur les Africains depuis 75 ans, avec la complicité de tous les chefs d'État africains. Je dis tous sans exception. Si je mens, qu'on vienne me démentir. Donc, la France a obtenu gain de cause à Nuremberg. Les Africains doivent le savoir. Et dans leur discussion, en parler. Ce sont des faits historiques. Les historiens français le savent. Nous avons donc une monnaie qui est du nazisme monétaire, une monnaie qui est, je viens de vous le démontrer, qui est anticonstitutionnelle. Et si vous me donnez encore 2 minutes, je vais vous démontrer quelque chose d'encore plus grave de cette monnaie, à savoir que c'est une monnaie qui est ce que j'appelle qui est un exemple typique de la maladie du nègre fou. Je dis bien le nègre fou, F-O-U. Pourquoi je dis cela? Je dis cela par allusion, si vous vous rappelez, avec la maladie de la vache folle. C'était quoi la maladie de la vache folle? La maladie de la vache folle a commencé en Angleterre, je crois, dans les années 1986 et a duré jusqu'en 2000. La vache est un herbivore. Mais
en Angleterre, pour avoir des productivités immenses, on s'est mis à faire manger de la viande à la vache. On a fait manger des carcasses de vaches. Donc la vache mangeait de la vache, alors que ce n'est pas naturel. Et bien sûr, ça a attrapé le cerveau et ça a eu des maladies complètement démoniaques, presque démoniaques, où les vaches devenaient folles. Hélas, ça s'est transmis à l'homme et on a compté jusqu'à plus de 200 morts. Mais alors, quel est le lien avec la France, le franc CFA? Et là, je voudrais que vous ayez une minute d'attention. Pourquoi on parle de maladie de la vache, du nègre fou? Parce que le franc CFA, le nazisme monétaire, c'est aussi en même temps la maladie des Africains qui mangent le sang de leurs ancêtres. Pourquoi je dis ça? Vous savez que en 1848, la France a soi-disant aboli l'esclavage. Mais il y avait un stock des esclaves. Qu'est-ce qu'on fait de ces esclaves? Le gouvernement français a dédommagé, non pas les esclaves, mais a dédommagé les propriétaires d'esclaves, y compris au Sénégal. Je répète, le gouvernement français a dédommagé les propriétaires d'esclaves et pas les pauvres esclaves. Et c'est avec l'argent de ces esclaves que les esclavagistes ont reçu qu'ils ont créé en 1853 la banque de Saint-Louis au Sénégal. Et les actionnaires, dont c'était des propriétaires d'esclaves, avec l'argent d'esclaves, et on comptait le nombre d'esclaves pour avoir le nombre d'actions dans cette banque. Retenez bien ceci. Je veux que mes frères, mes sœurs africains écoutent ça pour comprendre à quel point cette histoire du franc CFA est vraiment nuisible, est une insulte à la mémoire de nos ancêtres. Donc, c'est avec l'argent de l'esclavage qu'on a créé la banque de Saint-Louis du Sénégal en 1853. Cette même banque a évolué pour devenir en 1901 ce qu'on a appelé la Banque de l'Afrique occidentale. Et cette Banque de l'Afrique occidentale, en 1965, devient la BIAO. Et c'est cette BIAO qui va se transformer pour devenir ce qu'est la BCAO aujourd'hui. Autrement dit, vous comprenez bien le parallèle que je fais avec la maladie de la vache folle. Aux vaches, on a fait manger de la vache, mais aux nègres, les Français font manger le sang de leurs ancêtres esclaves. Parce que c'est avec l'argent de l'esclavage, le dédommagement, que l'État français, Napoléon, l'État français a versé aux propriétaires d'esclaves, qu'on a créé la banque qui est aujourd'hui la banque centrale, la BCAO. Et comment voulez-vous que vous ayez un peu de dignité? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Si vous êtes si prêt à manger le sang de vos ancêtres et à pactiser avec ceux qui ont fouetté, esclavagisé vos ancêtres. Vos ancêtres vous regardent. Hein? Ne pensez pas, nous sommes des Africains. Vous croyez qu'ils sont tous morts, mais ils vous regardent. Ils vous voient faire. Ils vous voient vous asseoir avec ceux qui les ont fouettés dans les fonds de bateaux et dans les cales. Ils vous voient vous amuser à boire le champagne, à vous amuser, à vendre votre pays avec ceux qui les ont fouettés dans les champs de Cannes, qui les ont lynchés. Et vous avez le toupet d'appeler ce même pays votre garant. Donc, pour nous résumer, le franc CFA, comme le Wacron, qui n'est qu'un avatar du franc CFA, c'est le nazisme monétaire, c'est une monnaie anticonstitutionnelle et c'est une monnaie qui est un exemple de la maladie du nègre fou. Parce que la France veut rendre les nègres fous en leur faisant manger le sang de leurs ancêtres. Rien que pour ces trois raisons. En dehors de toute considération économique, en dehors de toute discussion technique sur la monnaie, et nous sommes prêts à une discussion, quelle que soit la technicité que vous voulez, nous sommes prêts, amenez-nous qui que ce soit du président de la République jusqu'au gouverneur, nous sommes là pour ça. Mais on n'en arrive pas encore là. Mais rien que pour ces trois raisons, si on est quelqu'un qui a un peu de dignité en tant qu'Africain, même pas Africain, en tant que personne humaine, on devrait rejeter le franc CFA. Et encore plus, rejeter le Wacron. Donc, monsieur le pasteur a raison. Il faut trouver, et très rapidement, et c'est pour ça que moi je dis que le président du Nigeria agit très tardivement. Il agit très tardivement et il n'agit pas avec la vigueur qu'il faut. Il faut que l'action soit
plus vigoureuse. Et parce qu'il a une autre responsabilité, qui, là, il ne parle pas de son autre responsabilité, qui est là tout à fait importante aussi. Le Nigeria, vous savez que l'acte créateur de l'Union africaine a été signé en l'an 2000, à Lomé. Signé par 53 chefs d'État. 53 chefs d'État se sont réunis et ont posé leur signature pour créer l'Union africaine. J'imagine que ce sont des personnalités importantes et que s'ils se sont déplacés à Lomé, c'était pour faire des choses importantes. Et que si j'ai la signature de 53 chefs d'État sur un document, j'imagine que ce document est important. Alors, vois dans ce document. Dans ce document, il y a un article 19. Cet article 19 dit que on va créer trois institutions financières qui vont régler le problème financier en Afrique. Et parmi ces trois institutions, il y a donc la Banque centrale africaine, il y a le Fonds monétaire africain et il y a la Banque d'investissement africaine. Il y a une quatrième institution qui s'est adjointe bien plus tard, qui est la Bourse africaine. Vous savez que l'Union africaine pratique la répartition régionale. On a décidé, et je vous dis que l'acte existe, vous pouvez aller voir. Heureusement, nous vivons à l'époque d'Internet. Pourvu que vous soyez un peu curieux, vous pouvez trouver les documents très facilement. Vous allez voir l'article 19. Et selon le principe de répartition géographique de l'Afrique, adopté par l'Union africaine, la Banque centrale de l'Afrique a son siège adopté au Nigeria. C'est pour ça que je dis que la responsabilité du président Buhari est double dans cette histoire. Elle est double parce que d'abord, il doit agir en tant que le leader, même si c'est le président Issoufou qui en est le président actuellement, mais le Nigeria est le géant économique sans contestation de la région. Ce qui donne une première responsabilité au Nigeria qui peut directement parler à M. Macron et lui dire arrêtez. Mais il a une double responsabilité et cette fois-ci, il peut parler en tant que au nom de toute l'Afrique, parce que l'Union africaine a décidé que le siège de la Banque centrale africaine, ce sera au Nigeria. On ne peut pas s'amuser quand on a ce niveau de double responsabilité à se laisser traîner dans la boue, à laisser ses ancêtres insulter, à laisser la trahison prospérer, comme c'est le cas avec le Wacom. Je vous remercie. Vous, professeur Ndongwe, pour cette intervention. Professeur Nicolas Agbou, je vous retrouve maintenant pour que vous puissiez également répondre aux téléspectateurs de la télévision panafricaine qui nous ont retrouvés et qui ont posé un certain nombre de questions. N'est-il pas temps que l'on puisse organiser une grande mobilisation pour justement barrer la route à cet écho? Entre autres questions, ne faut-il pas forcer la main à la France, notamment en boycottant les produits français, a-t-on entendu également de la part d'un téléspectateur qui s'interroge. Mais le résumé de ces questions semble être comment est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter cette machine qui a été lancée il y a de cela plusieurs mois maintenant et dont la finalité dans ce déploiement pourrait être une implosion de la CEDEAO. Bien, merci. D'abord, je tiens à dire merci à M. Fassan Ndewé. Je rappelle, pour ceux qui ont lu le livre « Le français fait l'euro contre l'Afrique », c'est lui qui a fait la deuxième préface, c'est mon binôme, c'est avec lui. Je mène, nous menons ensemble ce combat contre ce nazisme monétaire, et vous l'avez bien vu faire cette démonstration. Donc, je ne vais pas encore ajouter d'autres éléments, parce que l'essentiel a été dit, mais en ce qui concerne le drame qui arrive, c'est-à-dire, on voit bien ce qui arrive, hein, il appartient aux Africains, et je le répète. Bon, il y en a qui disent qu'il faut boycotter les produits français. Bon, c'est une opinion que je respecte, qui est souvent exprimée ici et là, mais dans la réalité, c'est difficile parce que quand vous boycottez un produit, comme par exemple le produit français, ça veut dire qu'il y a son substitut, il y a son équivalent qui est à côté, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire nous a démontré de façon rigoureuse qu'aucune armée, si puissante soit-elle,
ne peut vaincre une population qui est en révolte. Une population qui a compris son intérêt et qui dit non à l'envahisseur. Je donnerai quelques exemples, à commencer par la France elle-même. À 1789, on sait bien ce qui s'est passé, on parle de la révolution de 1789. On a coupé la tête au roi, etc. Revenons tout près ici. Vous avez entendu parler de la guerre du Vietnam. Un petit pays comme le Vietnam a résisté contre l'invasion du pays le plus puissant militairement, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Après plus de 10 ans, 15 ans de lutte, eh bien, les Américains ont fini par fuir. Et le dernier, l'ambassadeur américain, a été pris par hélicoptère sur le toit de sa maison. C'est pour dire qu'il ne pouvait même pas aller à l'aéroport. Bon, ça c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, je pourrais en citer plein. Regardez par exemple l'Algérie. De 1956 jusqu'à 1962, eh bien, les Algériens ont lutté âprement contre l'occupation française. Aujourd'hui, quand vous allez au Maghreb, c'est-à-dire que ce soit en Algérie, en Tunisie et au Maroc, ces Français, quand ils sont dans ces pays du Maghreb, ils marchent sur la pointe des pieds. Mais dès qu'ils sortent de là, qu'ils viennent en Afrique subsaharienne, ils sont en pays conquis. Parce que les Africains se laissent, comme on dit, se laissent traîner par terre, ils se prosternent, etc. Parce qu'ils attendent vraiment une quelconque aide salvatrice de la France. On leur a toujours fait comprendre que leur développement viendrait de la France. Le temps est venu pour arriver à mettre fin à tout ça. Donc, après cela, je pourrais citer un exemple. Prenons le cas de la Chine. Il a fallu mener une véritable guerre de libération pour que ceux qui étaient les traîtres comme les Chiang Kai-shek soutenus par l'Amérique, tout ça, puissent fuir. Aujourd'hui, la Chine, elle est ce qu'elle est. C'est au prix de la lutte. Le dernier exemple que je finirai par donner, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Pendant longtemps, les Africains qui étaient rendus esclaves chez eux sur le continent africain, ils parlaient de la lutte pacifique. Mais Nelson Mandela et ses amis ont fini par comprendre que celui qui est en face, c'est-à-dire l'envahisseur, il ne comprend qu'un dialogue de violence. C'est le rapport des forces. Avec le temps, l'apartheid est tombé, même s'il y a beaucoup, beaucoup à faire. J'en profite pour dire que l'ennemi sempiternel envahisseur a tout fait pour que, justement, la monnaie reste dans les mains de la minorité blanche. Bien sûr, le gouverneur de cette banque de l'Afrique du Sud, c'est un noir, mais lui, il applique ce que les blancs lui disent. Hein, parce que contrairement à tout ce qui se passe dans le monde, la Banque centrale de l'Afrique du Sud est privée. C'est-à-dire, elle est dans les mains des Africains d'hier. Je n'ai pas dit de la minorité blanche, qui ne représente pas plus de 9%. Donc, ce que je suis en train de vous dire, pour que les choses changent radicalement, ici, nous sommes en phase de création de la monnaie CEDEAO. Eh bien, il est urgent, plus que jamais urgent, que les Africains se mobilisent. La jeunesse africaine se mobilise parce que c'est ça qui est leur combat. Ceux qui sont plus âgés qu'eux, ceux-là, ils ont déjà, on va dire, quelques acquis. Hein. Mais ceux qui vont consommer ces mesures-là, ceux qui vont supporter, et encore pendant un siècle ou deux siècles, le nazisme monétaire qui prend une autre tournure sous l'appellation de l'éco, eh bien, c'est bien cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse qui doit s'organiser. Il faut une mobilisation totale.
Il faut des gens qui s'engagent. Chez nous, on dit que c'est un seul chasseur qui tue un éléphant. Et tous les villageois viennent de le dépecer. Donc, il y a toujours la crème. Il faut que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui s'organisent pour dire non au nazisme monétaire. Le nazisme monétaire dont François Ndegué vient de faire le descriptif. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent toujours voir dans le livre « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». On a déjà mis ça sur la place publique. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Nous faisons tous ces convaincus depuis Paris, depuis la France, alors que nous n'avons aucune protection. En une seconde, la France peut nous finir. Mais on mène le combat pour le peuple africain. Vous qui êtes sur le continent, nous partons sur l'hypothèse que c'est parce que vous ne saviez pas que le franc CFA était le vecteur du nazisme monétaire dont la France a été victime. C'est un fait historique, ce n'est pas une métaphore. Donc, quand aujourd'hui, la même France utilise un des nôtres pour saboter l'écho et inventer même l'écho « U et moi », c'est vous qui devez vous lever comme un seul homme pour dire non, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans notre intérêt. Tout le monde avance. Seuls les Africains n'avancent pas parce que les Africains sont installés, hélas, solidement dans la mendicité financière internationale. Donc, on peut changer. On peut changer encore, ce n'est pas encore tard. Le Nigeria est un gros morceau. Buhari, le président du Nigeria, a une double responsabilité, comme vient de l'expliquer M. François Ndengue. On peut convoquer une réunion d'urgence pour dire que, bon, mettez fin à cette monnaie, lui et moi, qu'on appelle l'écho. Et ça, c'est de la haute trahison. C'est pour trahir les intérêts de l'Afrique. C'est possible. Rien n'est encore tard. Mieux vaut tard que jamais. Même si le frère se plaint, parce que Buhari a agi un peu tardivement, mais rien n'est fait, puisque le silence qui a lieu à Abidjan, disons dans lui et moi, je ne crois pas un seul instant qu'ils sont en train de fabriquer l'écho. Je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. Hein. Si l'écho était en gestation sérieuse, on nous aurait parlé de ça maintenant. En fait, depuis même le mois de juillet, puisque on dit que ça allait apparaître dans le mois de juillet. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, le concepteur même de l'écho, lui et moi, en la personne du président Ouattara, il est en fin de mandat. Hein? Il est en fin de mandat. Ça, c'est un élément très important. Demain, il ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Mais un fait demeure, et c'est le troisième facteur. Aujourd'hui, il y a une explosion des réseaux sociaux. La communication est dense et elle doit s'amplifier pour contester ce nazisme monétaire qui prend la forme de l'écho, lui et moi. Vous comprenez que la balle est dans le camp des Africains. Ce sont les Africains. Et rien que les Africains qui peuvent se sauver eux-mêmes. Regardez ce qui se passe dans les pays développés. Quand il y a un élément qui se passe, mais toute la population, pour ne pas dire la jeunesse, tout le monde se mobilise. Et le gouvernement est obligé de reculer. Hein. Ici, il ne s'agit pas de venir insulter le gouvernement, tous ces gens. Non, on dit les décisions que vous prenez là ne nous conviennent pas. Nous ne voulons pas que vous soyez humiliés, vous les dirigeants africains. Parce que si vous êtes humiliés à l'échelle internationale, ce sont tous les Africains qui sont humiliés. Nous ne voulons plus de ça. Rien ne justifie tout cela. Voilà. Hier, ceux qui étaient en brousse comme nous autres,
eh bien, tout ce qu'on pouvait nous dire, parce que nous étions dans l'ignorance complète, on pouvait accepter. Aujourd'hui, nous avons pris l'avion. Nous sommes venus parmi ceux-là même qui nous traumatisaient l'esprit. Et le mythe a été complètement déchiré. Quand vous voyez des Africains qui brillent dans tous les sens, dans les différents pays développés, je crois que le complexe d'infériorité devant l'homme blanc ne se justifie plus. Donc, je me résume en disant ceci. L'écho, eu et moi, ne doit pas apparaître et n'apparaîtra même pas, pourvu que les Africains commencent maintenant à se mobiliser pour dire nous ne voulons pas de cette monnaie-là. Par contre, nous voulons la monnaie CEDEAO, qui a trop attendu. Ça fait plus de, depuis 1983, donc maintenant 2020, ça fait 37 ans. Encourager M. Bouhari et tous les autres à créer la monnaie lui et moi. Non, la monnaie CEDEAO. Et je vais plus loin. Appeler en même temps les pays de l'Afrique centrale à rentrer dans cette monnaie-là, à rentrer dans cette zone monétaire éco. Pour que les Africains soient unis, jeter les bases consistant de la monnaie unique africaine. Parce que c'est en étant unis que les Africains peuvent sortir de l'ornière économique. Tout le monde s'unit, tout le monde. Les États-Unis d'Amérique, ils sont 50, ils sont aujourd'hui unis à travers l'ALENA, c'est-à-dire accord de libre-échange nord-américain, ils sont unis à qui? Au Mexique et au Canada. Ça fait un vaste marché. Vous prenez la grande Chine, qui est peuplée de 1 milliard 400 millions. Elle s'unit à l'ASEAN, Association des États de l'Asie du Sud-Est, composée de 10 pays. C'est le plus grand vaste, c'est le plus grand marché qui puisse exister. Bon, l'Union européenne, elle est là. Ce sont nos partenaires directs. Aujourd'hui, ce qui manque à l'Union européenne, c'est le gouvernement européen. Et ils vont y parvenir. Et nous, nous sommes là. Nous sommes atomisés. Ceux qui, depuis 1885, ont vu clair, parce que c'est ça qu'on appelle les dirigeants. Bien sûr, malheureusement, contre nous. Mais ils ont déjà vu très tôt, depuis 1885, qu'il fallait faire de l'Afrique une poussière d'État microscopique, incapable de se défendre individuellement. Et jusqu'à présent, nous sommes encore là. Nous sommes en train de nous débattre dans, ces, dans les raies de ce piège-là. Pour nous, il est extrêmement urgent que les Africains s'unissent. Et la monnaie est un facteur d'unification. Le président Macron a fait d'une pierre deux coups. Il crée sa monnaie éco, lui et moi, et en même temps, il cimente la division entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est à nous de ne pas tomber dans ce piège. Il faut se presser de sortir de là. L'Afrique centrale, à travers la BEAC doit s'unir rapidement avec la Banque centrale qui sera créée pour abriter l'écho. C'est-à-dire, je suppose qu'avec la CEDEAO, une banque centrale africaine sera créée. C'est cette banque centrale africaine qui va héberger l'écho. Et ceux qui seront détenteurs du capital social de cette banque centrale africaine, eh bien, ça sera simplement la banque centrale du Nigeria, la banque centrale qu'on appelle la BCAO, et les autres banques centrales nationales, dont pour moi la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Il faut ce mouvement-là de regroupement. Parce que si les Africains ne le font pas maintenant, ceux qui sont aujourd'hui présents, ils vont disparaître. Parce que malheureusement, c'est la loi de la nature. Mais qu'est-ce qu'ils auront laissé à leurs héritiers? La subordination. Voyez-vous, nous avons en Afrique tout ce qu'il faut pour que l'Afrique se développe.
Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'Afrique prenne la direction du monde, même si ça fait peur à certains. Eh bien, je les comprends. Parce que dans l'éducation qu'il les reçoit à l'école, le passé glorieux de l'Afrique a été complètement effacé. Vous voyez? Alors que l'Afrique a donné non seulement naissance à l'espèce humaine elle-même, mais c'est l'Afrique qui a posé les bases de la brillante civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc tout est en nous, tout est en Afrique. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ce que nous ne cessons de dire. Et c'est là que je vais terminer. Merci. Merci à vous, à professeur Nicolas Agbo. Merci également à François, au professeur François Ndengwe pour votre participation à ce plateau spécial consacré autour de cette colère de Mouamadou Bouhari. Une colère compréhensible, justifiée et une colère qui devrait d'ailleurs permettre une réflexion, une prise de conscience pour éviter une implosion de la CEDEAO et éviter également qu'il y ait un contrôle des économies de l'Afrique de l'Ouest par la France si jamais le projet ECO-UEMOA venait à devenir celui de l'ensemble de la CEDEAO. C'est ce qu'on peut retenir au sortir de cette autre édition spéciale sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent.